bonsoir, merci d'être avec nous, comme chaque mercredi pour Ça se discute. Merci de nous recevoir. Argent, sexe, travail, jeu, sommes-nous tous dépendants sans le savoir? C'est la question que nous posons ce soir dans Ça se discute. Jusqu'à la fin des années 80, on avait coutume d'associer la dépendance à la pharmacodépendance, c'est-à-dire associée aux drogues licites ou illicites, l'alcool, le tabac, les médicaments, les drogues dures. Aujourd'hui, on sait que la dépendance n'est pas seulement une affaire de produits, qu'elle peut être également une affaire de comportement, un comportement souvent abusif, parfois extrémiste, qui pousse certains de nos invités que nous recevons ce soir du plaisir, tout doucement, vers l'enfer. Alors, ils peuvent passer 8 heures par jour devant leur poste de télé, travailler 80 heures par semaine, jouer 18 heures par jour, jouer de l'argent ou faire l'amour plusieurs fois par jour, et ceci tous les jours. Pour eux, il n'y a qu'une priorité. Félicitations. Une seule priorité, souvent obsessionnelle, assouvir donc ce besoin qu'ils ont au détriment de leur entourage ou de toute autre activité. On les appelle les workaholics, les dépensiers compulsifs, les joueurs pathologiques, les dépendances affectives mais aussi sexuelles, les accros à la télé ou à l'adrénaline. Peut-on tous un jour devenir dépendants? Comment vit-on quand ce qui n'était qu'un plaisir devient une drogue? Comment et que faire pour essayer de s'en sortir? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. On va en parler d'abord avec Cyril, bonsoir. Bienvenue au Nouveau Barbu. Vous êtes un ex-joueur pathologique, ex-dépendant sexuel également, Cyril, en voie de rétablissement actuellement. Vous dites que la compulsion était votre mode de fonctionnement. Vous nous raconterez comment vous avez réussi jusqu'à présent à vous sevrer. Vous jouiez combien d'heures par jour? 18 heures par jour. Pardon? 18. Vous jouez au jeu? Et en ce qui concerne le sexe? J'en suis arrivé à peu près la même chose. C'est pas la semaine de 35 heures, c'est la journée de 18 alors? Voilà. Ou alors vous jouiez en faisant l'amour? Non, je ne pouvais pas lier les deux. C'était l'un ou l'autre? C'était l'un ou l'autre. Comme les alcools, pas de mélange? Pareil, pas de mélange. À vos côtés, Sébastien, qui a 28 ans, bonsoir. Bonsoir. Et qui est acteur de film X depuis un an et demi, et néanmoins dépendant du sexe. Oui. Oui, on imagine que vous arrivez à vous épanouir dans votre métier. Et à côté, ce métier, est-ce qu'il vous suffit à combler vos besoins, ou est-ce que vous avez besoin de faire des heures sup? Ouais, non, je peux faire des heures sup. Ça vous amène à quelles extrémités, Sébastien? Non, mais je vais juste dans des boîtes échangistes, tout simplement, et je fais attention, je suis recouvert. D'accord. Isabelle Dreuil, bonsoir, bienvenue. Vous êtes consultante indépendante, vous travaillez jusqu'à 80 heures par semaine. Ça, je ne sais pas si c'est sérieux. Votre métier est plus qu'un travail, c'est un plaisir, puis aussi peut-être un moyen de compenser ou de vous rassurer. Vous vous dites workaholic, les week-ends, les vacances, vous connaissez mal, en tout cas selon la définition que la plupart des gens ont, ce qui n'est pas toujours facile à vivre pour vos deux enfants, pas toujours, j'ai dit, et votre conjoint également. Les 35 heures, vous les envisagez comment? Un projet à très long terme. Un projet à très long terme. Je présente maintenant notre spectatrice privilégiée de ce soir, qui est journaliste et éditorialiste pour l'hebdomadaire féminin Elle. Elle se dit sans dépendance, peut-être qu'elle découvrira ce soir qu'elle était aussi finalement accro. Je vous demande d'accueillir Michel Fitoussi, s'il vous plaît. Bonsoir. Michel, vous attendez quoi de cette émission sur les dépendances? J'attends d'apprendre pas mal de choses, comme chaque fois que je regarde une de vos émissions, cher Jean-Luc. Merci. Non, d'abord, je voudrais savoir s'il y a des causes et terrains favorables à la dépendance, si on est dans une famille à risque, ou s'il y a un gène de la dépendance. Et puis aussi, le titre de votre émission m'intéresse, parce que est-ce qu'on n'est pas tous dépendants sans le savoir, ou est-ce qu'on n'est pas tous sujets éventuellement à une dépendance, puisque chaque jour se créent de nouvelles dépendances. Regardez le portable, par exemple. Ouais. J'ai dit que j'avais pas de dépendance, mes enfants ont dit le contraire. Il paraît que je suis dépendante de mon ordinateur, puisque je passe plusieurs heures par jour devant, mais c'est mon outil de travail. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup. Et puis, est-ce que c'est guérissable aussi? Est-ce qu'il faut guérir la dépendance? On verra ça avec des médecins, avec des spécialistes aussi, parce qu'il y a toute forme de dépendance. Il y en a qui sont évidemment beaucoup plus dangereuses que d'autres. On parlera par exemple de dépendance à des boissons pétillantes ce soir avec certains de nos invités, mais des grosses dépendances. Et puis du point de vue du vocabulaire, c'est vrai qu'il y a un mot qui entrait vraiment dans le vocabulaire courant depuis quelques années, c'est le mot accro, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, on disait accro à la drogue, maintenant on dit accro à n'importe quoi, au chocolat, au solde, aux jeux vidéo, aux jeux tout court, voilà. Au sexe. On est tous des accros. Ouais, ouais. Très bien, je vous présente maintenant nos invités à qui nous avons consacré un reportage. Cédric Drummond d'abord. Bonsoir, ça va mieux le genou? Ça va, ça va. C'est en voie de guérison, vous êtes opéré d'un ménisque, c'est ça? Rupture de ménisque. Rupture de ménisque. Ouais. Vous êtes ce qu'on appelle indépendant, la prise de risque, vous, Cédric. Vous pouvez difficilement vivre sans vous faire peur. Vous aimez sentir au fond de votre ventre cette bonne grosse boule d'angoisse qui vous taraude. Aujourd'hui, vous assouvissez ce besoin en pratiquant le base jump. Ça consiste à sauter d'une base fixe, une base basse, et d'ouvrir son parachute au dernier moment, en voyant le sol arriver
Ça se joue à quelques secondes près. Finalement, votre grande angoisse, c'est qu'un jour, plus rien ne vous fasse peur. Exactement, ouais, j'ai peur de ne plus avoir peur, en fait. Les images nous aideront à mieux comprendre ce qu'il en est exactement du base jump, un extrait du reportage qu'on a consacré à Cédric et à son activité. Je suis tout le temps dedans. Il n'y a pas... Je m'endors avec des images, je me réveille avec des images, je m'imagine sur des spots. C'est un style de vie, je veux dire. C'est pas... Si je pense pas au base jump, je pense à ma figure de sky surf. Yes. Base. Il est là, hein, donc ça avait bien sorti sur ce coup-là. Et là, il est bien vivant. Vous êtes fait opérer quasiment devant nos caméras, on le verra tout à l'heure dans le reportage. Les médecins vous ont recommandé de prendre quelques semaines de calme. Vous allez respecter les consignes? Ce sont les médecins, hein. Moi je verrai d'après mes aptitudes physiques. Ça si là, je peux recommencer ou pas, mais je préfère attendre en fait. Ah, ouais. J'aime pas trop sauter avec des blessures, donc... Ah bon Ok, Cédric. Je vous maintenant Maude Prigent. Bonsoir Maude. Bonsoir. Bienvenue, vous avez 22 ans. Oui. Vous êtes déjà mariée, vous avez déjà deux enfants, vous n'avez pas traîné. Pourtant, vous ne connaissez pas votre mari depuis si longtemps que ça. Trois ans. Depuis trois ans. Vous ne pouvez pas vivre sans lui. Il n'est pas avec nous ce soir parce qu'il travaille la nuit. Ouais. Selon vos propres recommandations, pour qu'il soit toute la journée avec vous. Oui. Voilà. Donc, pas vivre sans son mari, ça peut sembler commun à beaucoup de couples, mais selon vous, selon vos propres aveux, vous donnez un peu dans l'excessif, vous supportez pas d'être sans lui, vous l'appelez tout le temps, et encore maintenant, il vous donne plus le numéro de son portable, sur son voilà. De travail. Ouais. Il travaille la nuit parce que vous l'avez souhaité, et encore, enfin, vous êtes ensemble chez vous, vous n'êtes apaisé que quand il est dans la même pièce que vous. Dans la même pièce. Ouais. Par exemple, s'il regarde le foot et que vous, vous prenez votre bain. Ça va pas. Non, donc il vient vous regarder en train de prendre votre bain. Voilà. Et il se fait raconter le foot par ses copains. Voilà. Voilà. Un extrait du reportage qui était consacré à l'amour excessif que Maud a pour son mari. Mon amour, tu me manques toujours autant. J'ai un plateau repas avec petit déjeuner et j'espère m'arrêter là, comme ça tu seras fière de moi. Il y a des choses que vous ne faites pas ensemble. Aller aux toilettes. Non, franchement, non, il n'y en a pas. Tu commences ou je commence? Mika. Oh. Pour la douche. Ouais, je commence. Si du jour au lendemain, je te laisse comme ça, tout seul, et que je suis pas présente, et que je suis plus aussi pot de colle, tu le prendrais peut-être pas bien, je sais pas. Ouais, non, c'est normal, il y a des choses... Tu veux pas que je change ça? Non, il y a des choses qu'il faut pas changer. Non, bah. On est d'accord là-dessus, alors. Quand il dit il y a des choses qu'on peut pas changer... C'est-à-dire qu'il ne voudrait pas basculer d'un excès à l'autre, mais peut-être qu'il souhaiterait un peu plus de modération. Peut-être souhaiterait-il un peu plus de modération. En fait, c'est plus moi qui... A priori, c'est plus moi qui souhaite ça, qui souhaite changer un petit peu. Ah. Lui se dit bien comme ça, tant qu'il a son quota de sommeil. C'est le seul problème, en fait. Oui, parce que vous ne respectez pas tellement son quota de sommeil, Maud. Non, pas toujours. Non. Pas vous empêcher d'aller le réveiller un peu. Voilà, il se couche à 8 heures et quand ça ne va pas... Le matin. Le matin, quand ça ne va pas, à 11 heures, je le réveille. Oui. Ça fait un tout petit quota de sommeil, ça, oui, voilà. Effectivement. Mais pas tout le temps. Oui. Henri, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 14 ans, Henri. Mmh. Vous nous avez contacté après un appel à témoins, car vous vous sentez concerné par le thème de la dépendance. Mmh. Vous êtes accro, comme disait Michel Fitoussi, vous accro à la télévision. Vous la regardez le plus souvent possible, jusque très tard dans la nuit, mmh. Ce qui fait que vous avez pu choper notre appel à témoins, qui est passé un peu tard. Vous la regardez combien d'heures par jour, Henri? Je commence à 4h30 en rentrant des cours. Mmh. Je vais arrêter pendant une heure pour m'occuper un peu de mes animaux et reprendre vers 7h30 jusqu'à minuit, 2h. Mmh. Et parfois aussi à la mi-journée? Oui, l'après-midi aussi, quand vous rentrez du lycée. Voilà, je rentre du lycée et je vais, je vais regarder la télé aussi. Au total, j'ai dit 8 heures par jour tout à l'heure. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, oui. Alors, selon l'Observatoire Francoscopie, en 97, pour les 11-14 ans, donc vous êtes dans le haut de la tranche puisque vous allez bientôt avoir 15 ans, c'était 2h08 par jour, donc vous regardez la télévision 4 fois plus que la moyenne de votre âge. Ah, c'est possible. Ouais. Ça vous abrutit ou ça vous épanouit? Non, je pense pas que ça abrutit, mais... Non, ça épanouit, c'est un peu des deux, mais bon, ça dépend de quelle façon on le regarde. Je crois qu'on va pouvoir se faire une idée assez précise avec le reportage qu'on a tourné. On vous voit commenter ce que vous regardez, vous passez donc beaucoup de temps devant la télé, on aura compris. Alors, une télévision familiale dont vous êtes le maître,
peut-être même un peu aussi l'esclave, on va voir. Non, mais le maître, je veux dire, elle est installée dans votre chambre, cette télé, la seule de la maison. Ils ne viennent pas souvent la regarder. Ils ne viennent pas souvent. Alors, ils, ce sont donc vos parents, votre maman et son ami qui sont derrière vous, et votre beau-père. Reportage donc de Pascal Caron et Jean-Marc Borde qui ont passé une journée et une bonne partie de la nuit avec vous et votre télévision afin de mieux comprendre quelle place celle-ci occupe de votre vie, dans votre vie et si c'est souhaitable pour un jeune garçon de 14 ans de passer 8 heures par jour devant la télé. Allons-y. Français et 2 heures de sport. C'est intéressant. Ça va. J'ai pris 3 heures de colle. Mauvaise note en anglais. J'essaie d'être vite chez moi. Pourquoi? Pour regarder un peu ce qu'il y a à la télé. À 14 ans, Henri est accro à la télévision. Chaque midi, il rentre à pied chez lui pour avaler un sandwich et regarder le petit écran dans sa chambre. À savoir l'armateur Total Fina et la société Rina. À 7h, il n'y a pas grand-chose, donc je regarde un peu les infos. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité aujourd'hui, Henri ? La tempête, la marée noire, Microsoft, on parle un peu de Pinochet et tout ça. Ça t'intéresse plus que l'école ? Ouais, quand même. Disons, l'école, j'y vais parce que c'est obligatoire, mais ça m'emmerde un peu. Pinochet, tu sais qui c'est ? Non, c'est un dictateur chilien qui est venu au pouvoir dans les années 70-75, je ne sais plus exactement. Et donc, il va torturer tout le monde pour on va dire, exclure les terroristes et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que dit l'État. Et puis, il s'est fait arrêter en Angleterre, je crois, je ne sais plus. Juste que je regarde, parce que... Apparemment, j'ai perdu la 20. Elle a été paumée, je sais pas, quelqu'un a dû toucher à la télé. Ça a déréglé. T'es privé de manga ce midi, hein? Ouais. Bon, c'est pas très grave. J'essaierai de retrouver la chaîne plus tard. T'as l'impression d'être accro à la télé? Je pourrais m'en passer, mais si on propose, par exemple, d'aller faire un voyage en Afrique, on me dit qu'il n'y a pas la télé. Bon, d'accord, mais j'aimerais bien la regarder de temps en temps. It can't be wrong. Je la regarde de... enceinte de 6 mois. Je sais pas, 8 heures par jour, à peu près. Ça dépend. Il y a des gens, ils regardent la télé pour le loisir, il y en a d'autres, ils regardent ça pour passer le temps parce qu'ils s'ennuient tout le temps. Et il y en a d'autres, ils sont scotchés à l'écran, ils arrivent pas à éteindre la télé. Et moi je pense que je suis parfois dans les 3, ça dépend des moments. Et elle accouchera comme la plupart des Hollandaises, sans péridurale. Je m'assume tel que je suis. Je suis bien dans mon corps. Et notre invité, il est spécialiste en hygiène et sécurité. Je fais plus plein de un peu nu intégral. Tu es ridicule. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? C'est bientôt l'heure, il va falloir que j'y aille. Pour retourner au collège. Le temps de retourner au collège pour 2 heures de cours, Henri est de retour chez lui. Les relations avec le nouveau compagnon de sa mère sont parfois un peu tendues. La télévision est souvent au centre de leurs discussions. Je vois que tu regardes la télé, c'est toi qui choisis les programmes. Attends, tu rigoles, hein? Non, je rigole pas. Bah, c'était la grosse bataille de télécommande de jour, quand on zappait. Ouais, ça. Moi je voulais regarder le football, toi tu regardais un vieux truc tout pourri, là. Je sais même plus c'était quoi. Ah, c'était Rodin, là. Ouais, voilà, alors Rodin, t'es gentil, mais bon... Il a l'air très gentil comme ça, mais en fait, c'est un peu un monstre, hein, faut le dire. Hein. Et donc, il nous est arrivé de couper le courant donc, pour faire sortir de sa chambre. Et à ce moment-là, il s'est mis ses rollers, je me souviens, ce soir-là. Et ça s'est très bien passé après. Il nous a rapporté des petits gâteaux, il a été super gentil. Et il a pas pu regarder la télévision de la soirée, parce qu'on lui avait... Ah si, après nous avoir rapporté des petits gâteaux, on t'avait pardonné et ça y est, t'avais pu enfin... t'avais fait un investissement conséquent pour pouvoir...
regarder la télévision, en fait. Alors, en fait, c'est quoi les programmes qui t'intéressent, toi? Tout. Tout t'intéresse, ouais. Voilà, mais il faut pas que ce soit court. En gros, quand on te demande de faire des carottes ou des trucs comme ça pour le dîner, tout t'intéresse à la télévision. Ouais. C'est ça. En plus de la télévision, Henri a une autre passion. Ce sont les reptiles avec qui il partage sa chambre et qu'il faut nourrir régulièrement avec des souris vivantes. On a un jeune constrictor qui va atteindre à peu près 3 mètres, vu que c'est une femelle en plus. On va le poser là. On va lui donner une souris à manger. Voilà. Oui, c'est quoi ça? Scorpion. C'est le scorpion, ça? Oui. Dans le congélateur? Bah oui, ça fait au moins 3 mois qu'il y est. Mais tu vas le garder comme ça longtemps? Bah oui. Alors ce soir, tu vas regarder quoi? T'as le programme? Tu sais ce que tu vas regarder? J'attends qu'il y ait une série complètement nulle qui se finisse pour regarder Friends. La mère d'Henri n'est pas surprise de trouver son fils devant la télé lorsqu'elle rentre de son travail. Bonjour. Il n'y a pas eu d'appel? Non. Ok. Enfin, il m'a montré ses fesses. Si ça t'arrive de travailler tard, je peux te faire le whistéticiter si tu veux. Oh, ça serait super. T'es sincère? J'aime bien le Chandler. Parce qu'il arrête pas de vanner les autres. Faut surtout pas qu'il pense que c'est un service que tu me rends. Hein. D'accord, mais s'il me pose des questions, j'ai pas l'intention de lui mentir. Rien faire ici. C'est bien, ça continue derrière encore. 14 janvier, je vais y arriver. 2000, Tim Ross est notre invité. Oui. Tu peux mettre tes têtes, s'il te plaît? Deux? Tu peux mettre tes têtes, s'il te plaît? Oui. De l'île est touchée par cette pollution qui arrive jour après jour. Tu veux le faire ou pas? Ouais, mais bon, je vais regarder un peu le journal et tout ça, et puis quand ça va commencer à m'ennuyer, j'irai. Peut-être. Comme on est dans la croissance, comme le chômage diminue. C'est quoi ça? Un gars, une fille, c'est un truc que je regarde tout le temps. Tu m'as dit qu'on avait du mal à se parler. Qui est quand même en con, mais c'est vachement marrant. Ça passerait mieux. L'image du jour, c'est les soldes qui commencent demain. Je me demande bien qui c'est qui va s'occuper du RPR ce week-end. Quoi? J'ai dit une connerie? J'arrive! Télévision, bonsoir. Je vais attendre la fin des guignols et puis Philippe Vandel. Et après, bon, bah, je vais y aller. Je vais prendre l'assiette et pour venir manger ici. Et vous mangez tout seul alors, sans toi? Mmh. Vous avez commencé à manger sans Louis? Ben oui, comme d'habitude. Vous vous battez contre cette télé? Vous avez le sentiment que c'est une ennemie? Ça l'a été, oui. Pendant plusieurs mois, ça a été la guerre de la télé. Mais maintenant, je me dis aussi, bon, il a cette passion des reptiles et tout ça, il va passer à autre chose, c'est clair. Bah finalement, il dîne avec vous, alors? Je ne sais pas. À 8h15, ça m'étonnerait. Ouais, remarque, il n'y a pas grand-chose. Je peux manger. Ah, mais... C'est pas vrai. Incroyable. Mais c'est quand même un moyen fantastique, quoi, de se soustraire aux autres et au monde. C'est parfait. C'est en même temps, il a le monde à travers l'écran, et en même temps, il en est soustrait. Et c'est sans doute, ça fait moins mal, moins douloureux, c'est moins difficile. C'est depuis le divorce de ses parents qu'Henri est devenu un moins bon élève et qu'il s'est mis à regarder autant la télévision. Bon, c'est des amis que j'ai eus dans les classes précédentes. Je ne vais pas me culpabiliser parce que mon fils regarde la télé. Il y a eu la casse et chacun fait... Bon, moi, j'ai dû faire face à énormément de difficultés et reconstruire beaucoup de choses. Et pour mes enfants, c'était pareil. Hein. Un enfant, il doit tout reconstruire aussi. Donc, quelque part... et ça se fait ensemble, mais ça se fait aussi chacun dans son coin. Hein. Et ben Henri, il a compensé. Et je crois que c'est normal. Quelque part, si je regarde avec le recul ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal. C'est légitime défense, je dirais. Thalassa, tout de suite sur France 3. Ça va, je peux regarder, je te dérange pas. Non, non, c'est cool.
Parfois, je sais que même si j'ai pas envie de regarder la télévision, je vais quand même venir faire un tour, m'asseoir, parce que je sais que ça va améliorer nos relations. Et ouais, ça m'est arrivé de faire ça. Pas très souvent, hein, c'est vrai, mais je sais que de temps en temps, je sens que c'est quelque chose qui est possible. Ils étaient planqués dans le bunker qu'ils avaient construit la nuit précédente. C'est pour ça qu'ils ne figuraient pas dans le rapport. L'effet de... En voyant la force et la masse de cette armée... Ouais, ok. Allez. Je vais au ciné. Tu viens pas, Henri ? Non. Ça t'intéresse pas, ça ? Non. Avec vos vieux films. Ouais. Ciao. Salut. Nous avions appris la retraite du général Kéder par l'avant-poste de notre armée. On peut imaginer des hommes à son bord, des pêcheurs en difficulté, qui luttent contre la force du vent et des courants. Je viens d'une contrée aux confins de l'Orient. Seriez-vous les anciens dieux et serais-je arrivé au royaume de l'esprit de la forêt ? Millenarius.fr, 1000 ans d'innovation qui vous change la vie. Salut Père Nous, Michel Mario. Au début, pour tester les avions. Ça va bien ? Il en fait bon ici. Ça va ? Mmh. Ouais, t'as eu raison de pas venir, c'était pas extra. Ouais. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. C'est moi qui éteins les lumières. C'est souvent moi qui me couche en dernier. Même tout le temps. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, des histoires courtes, elles sont souvent les meilleures. Excellente nuit à tous. Ah, ça y est, là, t'es fatiguée alors. Ouais. Il est à peu près une heure et demie. Et donc, je vais tout éteindre et aller me coucher. Bonne nuit, Henri. Il vous arrive de l'éteindre encore plus tard, c'est ça ? Pardon ? Il vous arrive de l'éteindre encore plus tard, Henri ? Ouais, vous voyez pas leur filet ? Ouais, quand même, ça, on passe très vite. T'es obligé de passer par LCI pour regarder la montre en bas à droite sur l'écran. Hein. C'est ce que je fais. Comment vous êtes débrouillé pour que votre maman accepte que la télévision trône dans votre chambre, à vous ? Je me suis débrouillé pour la voir. Après, elle a voulu me la confisquer et puis j'ai réussi à la voir. Comment ? En la demandant tout le temps, en essayant de la demander, puis elle a accepté. Donc après, ça. Je l'ai prise et puis voilà. Et puis voilà. Est-ce que vous la regardez à vos moments perdus ou est-ce que votre emploi du temps est rythmé par vos programmes télé préférés ? Elle est rythmée. Ouais. Vous avez vos petits repères ? Ouais. On l'a un peu senti dans le zapping là, que vous avez fait à l'instant. Depuis combien de temps vous la regardez aussi assidûment la télé ? 6 mois, non, ça fait pas très longtemps. Et comment vous êtes tombé dedans ? Je sais pas du tout. C'est en fait, déjà avant qu'il y ait la télé, j'avais l'habitude de me coucher tard. C'est 8 heures par jour de télé, il remplace 8 heures de quoi d'autre alors ? Parce que quand vous l'aviez pas, il y a encore un an, vous faisiez quoi ? De leçons, de lecture, de devoirs, tout ça. Ah ouais, parce que vous passiez 8 heures à faire vos leçons et vos devoirs chaque jour. Ça m'étonnerait. Moi aussi. Non, parce que le directeur m'a dit qu'il faut passer 3 heures au moins par jour. Et moi, j'ai dit que je passais 10-20 minutes. Alors, j'étais un peu étonnée. Bon. Qu'en pense votre maman, Barbara ? De quel œil Pardon, excusez-moi, Henri. À mon avis, elle préférait que je me couche plus tôt, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Donc, en fait, c'est un moyen de passer le temps. Voilà. Pas seulement passer le temps, parce que vous prenez du plaisir, vous apprenez des trucs aussi. Oui, oui. On peut passer le temps de plusieurs façons, mais moi, c'est la télé, quoi. Je peux lire, je peux écouter la radio, je peux faire mes leçons, mais moi, c'est devant la télé. Ouais. Vous avez l'impression de vous abrutir devant la télé, un peu ? Non. Non ? Pas du tout ? Non. Barbara, c'est votre avis aussi ? De quel œil vous regardez votre enfant regarder la télé ? Parce que vous n'êtes pas toujours dans sa chambre. Non. Comme nous, on l'a été avec cette caméra, par exemple. Ouais. Non, c'est assez difficile. On a eu la guerre de la télé. Et ça a été assez violent même, parce que ça m'était vraiment difficile à supporter cette vision de mon fils devant le carré et regarder sans cesse pratiquement. Et donc ça a été extrêmement difficile entre nous aussi. Et c'est le conseil d'une psychothérapeute qui suivait donc Henri et à qui j'ai donc fait part de cette difficulté entre nous. C'est-à-dire, c'était vraiment la raison d'une guerre ouverte. Hein. Les portes qui claquaient, les grandes disputes et tout. Et elle m'a dit, laissez-le tranquille, il faut arrêter ça tout de suite. Il faut le laisser tranquille, il en a besoin. Pourquoi ? Mais c'est ce que je disais un peu dans le reportage, c'est que peut-être c'était sa façon de créer sa vie à lui. Je ne sais pas, parce que moi, je ne regarde pas la télé. Donc, elle m'a dit, laissez-le tranquille. C'est vrai que cette guerre, elle a cessé donc du jour au lendemain. Je l'ai laissé faire et donc il a pris son autonomie à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est pas toujours évident. Hein. Et vous pensez qu'il en est dépendant, pour revenir au thème qui nous réunit ce soir ?
Mais dépendant, la définition dépend. Il n'est pas physiquement dépendant. Je veux dire, on peut être dépendant de l'alcool ou de drogue. Ou moi, je pense que demain, ça peut être terminé, hein, pour une raison. Ou pour une autre. Oui, moi, je pense que ça peut s'arrêter comme ça. Henri. Moi, je pense, mais bon, faudrait une bonne motivation. Qu'est-ce que ça pourrait être, une bonne motivation? Bon, ce serait partir dans un pays étranger ou quelque chose comme ça, mais disons, si je reste à Paris, je vais quand même regarder la télé tous les soirs. Ouais. Ça, si elle tombe en panne pendant une semaine, par exemple, vous vous sentez comment? Bon, ben, je vais aller jouer aux jeux vidéo chez des amis. D'accord, ça compensera. Voilà. Le mot dépendance, vous, ça vous évoque quoi? Je trouve que c'est quand même un mot assez important pour ce que c'est, parce que la dépendance, c'est vraiment quand on est dedans, tout le temps. Je me sens dépendant, mais... Il y a le oui et le non, quoi. Je peux m'en passer, je pense. Mais en même temps, bon, ben, il faut, j'aime la regarder. Elle représente quoi pour vous, la télé? Un moyen de distraction pour passer le temps, pour pas s'ennuyer quand... C'est... Vous n'avez pas de copain, pas de copine? Si, si, mais bon, je suis au Franc-Bourgeois, c'est une école très fermée. Pas l'école, mais les amis. Et j'ai des amis, mais souvent, chacun part en week-end de son côté. Et après les cours, c'est rare que je vais chez les amis. Et vous avez des bonnes notes pour l'instant? Ça tourne autour de la moyenne. Oh. Vous arrivez à vous maintenir avec votre grosse dose de télé? J'essaye quand il le faut de réviser, mais par exemple l'anglais, je fais rien. J'y arrive pas, j'ai fait 3 ans d'allemand. Bon, j'arrivais à peu près à avoir la moyenne, mais en anglais, si j'ai une moyenne de 4... C'est bien. Ouais. Vous n'avez pas la BBC sur le câble, non? C'est utile, l'anglais. Non, mais avant, j'avais 35 chaînes, mais maintenant, c'est passé à 20. Ouais. Et restriction budgétaire. Ouais. Voilà, ça va sûrement passer à 6. Ah bon, vous bricolez en coulisses, Barbara, ou quoi? Vous êtes en train de... Ça, c'est mes secrets. Hein. Ah oui, d'accord. Ça ne nous regarde pas, très bien. Il y a des rendez-vous que vous ne pouvez pas louper? Les Guignols, par exemple, vous les regardez tous les soirs? Oui, j'essaye. Ouais. Parfois, je ne peux pas parce que bon, bah, je ne suis pas à la maison. Je suis en dîner chez des amis, par exemple. Et là, bon, ben... Et vous y pensez pendant non, le dîner? Non, quand même. Non. Parce que bon, y a un minimum de politesse. Le cas n'est pas désespéré, oui, c'est ça. Il y a un minimum de politesse. Ouais. Il était bien élevé, ce petit Barbara. Oui. Vous avez essayé de lui interdire de la regarder? Vous avez bien sûr. Ah non, mais bien sûr. Ouais. Quand je dis guerre de la télé, c'était la guerre de la télé. Et il a contourné en récupérant une télé ailleurs. Donc, celle-là. Voilà, maintenant c'est la sienne, donc c'est la sienne. Ce qui prouve qu'il est débrouillard. Il se débrouille très bien, et quand il veut quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est bon signe aussi, donc je ne désespère pas. Par contre, quand il ne veut pas quelque chose, par exemple, aller voir des vieux films tout pourris avec vous, il n'y va pas. C'est nul, c'est clair. Pourquoi vous lui laissez la télé dans sa chambre? Mais c'est la sienne. Ah oui, d'accord. Vous êtes sa mère, il est mineur, donc vous avez le droit, vous avez un droit d'intervention. Non, mais bien sûr, mais... J'ai été quand même conseillée vivement, on m'a dit, psychothérapeute, quelqu'un dans lequel j'ai confiance et qui a bien aidé Henri dans certaines difficultés, qui m'a dit arrêtez. Arrêtez de l'embêter. C'est une télé antidépresseur? Oui. C'est comme un petit médicament, Henri? Ouais. Par exemple. Comme une petite tot-tot? Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais moi, je pense que c'est ça, et c'est pour ça que... Bon, il s'échappe par là, il a pris cette habitude-là. Il avait des bonnes raisons, d'ailleurs, pour avoir du mal dans sa vie. Donc, je respecte ça aussi. Hein. Ces bonnes raisons, c'est un petit vide affectif? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Par l'absence de son papa, même si son beau-père, visiblement, a endossé la veste de l'éducateur avec sourire et courage. Éducateur. Je retire mon mot, pardon, excusez-moi. Éducateur, certainement pas, non. Non, non. Non, non. Henri fait ce qu'il veut de sa vie, alors ça, d'accord. C'est clair. Sans ça, les conflits deviennent trop importants si on essaie de lui faire faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. T'es content, hein? Ouais. Et plutôt que de rentrer en conflit, ben, c'est vrai qu'on préfère trouver une sorte de compromis. Ouais. Ouais. Isabelle, vous travaillez 16 heures par jour. Si vos enfants regardaient la télé 8 heures par jour, vous le prendriez comment? Différemment, je pense. D'abord parce que la télé est dans le... dans la même pièce où est mon ordinateur. Mais je travaille avec des boules caisses, de toute façon, pour respecter le rythme des autres. Mais s'ils étaient aussi accros, puis motivés qu'Henri, au point d'être malin et de réussir à s'en débrouiller une, et la placer dans leur chambre, par exemple, vous feriez quoi, madame? J'ai résisté à la chambre. Ah oui. Vous résisteriez à une petite bombe comme ce garçon? Je pense que la pression est forte, là. Ouais. La pression est forte. Elle est beaucoup moins forte chez moi. D'accord. Est-ce que vous faites des efforts, Henri, pour moins la regarder, la télé? Non. Non. Parfois, j'essaie de me coucher plus tôt, mais j'arrive pas à m'endormir. Donc, Au moins, c'est franc. Qu'est-ce qui pourrait remplacer la télé, à part les voyages quoi?
femme. Petite femme plus tard. Oui, sûrement, mais pour le moment, j'ai pas l'âge, enfin, je crois. Fabien a 24 ans. Merci Henri. Où êtes-vous, Fabien ? Bonsoir Fabien, vous avez 24 ans, vous êtes dépendant d'une boisson, une boisson non alcoolisée qui appartient à la famille des sodas pétillantes et de couleur foncée pour ne pas la nommer. Comment vous avez pris goût à ce poisson? Ça a commencé étant jeune, j'avais droit seulement à cette boisson le week-end, c'était un petit peu la fête, le week-end, on avait droit de boire cette boisson, là, le soda. Et puis maintenant que je suis grand, j'en achète quand je veux, j'en consomme quand je veux et beaucoup. Combien de litres par jour? 2 litres, voire plus, ça dépend. Enfin, disons que je bois presque que ça, quoi. Je bois pas d'eau, le repas du midi, le soir. Enfin, le repas du soir, pareil, ma canette. Et avant de dormir, il faut absolument ma canette pour dormir. Pourtant, il y a de la caféine dedans. Moi, je trouve que je la bois et je dors bien, quoi. Ouais. Si je la bois pas, à la limite, je suis un petit peu nerveux et je sais, ça me manque comme une cigarette. Enfin, je fume pas, mais a priori, c'est comme une cigarette. Ouais, les cigarettes sont assimilées aux drogues, selon le rapport ROC qui a été rendu il y a un peu plus de 18 mois maintenant. Vous avez l'impression d'être accro à une drogue avec cette boisson? Parce que si vous ne la prenez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous sentez pas bien? Non, je ne suis pas bien. Il me la faut, quoi. Ça m'apaise, quoi. Mais c'est physique? Oui, c'est physique. Ouais. Ça m'est arrivé une fois, là, j'étais sorti à une soirée. On était dans un hôtel et puis en rentrant, on n'avait pas le droit de... Enfin, en rentrant, je voulais absolument en boire. Avant de dormir, je n'en avais pas emmené. Habituellement, j'ai toujours ça dans ma valise ou lorsque je pars, j'ai toujours... Toujours ce qu'il faut dans la voiture, il y en a toujours. Enfin, j'ai ma réserve, quoi. Là, j'en avais pas emmené. On est allé en boîte. Le veilleur de nuit n'a pas voulu me donner de canette. Enfin, il y avait un bar. Il me dit non, je peux pas. Je commençais à être hargneux et mes camarades m'ont retenu parce que je commençais à lui dire mais donne-moi ma canette, je la paye, tout ça. Ils voulaient pas. Et arrivé seulement dans la chambre, je sais que j'étais là, ma canette. Le fait de pas l'avoir, je me suis endormi parce que la fatigue, quoi. Mais sûr, ma cassette, tu m'as piqué ma cassette. Oui, tout à fait. Ouais. Ça fait combien d'années, vous dites, que ça dure, cette dépendance? J'ai 24 ans, j'ai dû commencer réellement à être un petit peu autonome à 14-15 ans, quoi. Faire ce que je veux, de l'argent, pouvoir acheter. Le fait d'en parler, ça vous fait y penser maintenant? Oui, un petit peu. Ouais. Mais de toute façon, j'en ai dans la voiture en rentrant s'il y a un problème. D'accord. Vous avez réalisé de quelle manière que vous étiez dépendant à votre canette? Eh ben, un petit peu par rapport... Je suis animateur dans un centre de loisirs et les animatrices prennent la pause cigarette. Donc elles vont dans un endroit où elles s'assoient, elles fument. Moi, je vais au même endroit pour prendre ma canette. Ouais. J'ai vu aussi que si j'en ai pas, il m'en faut, quoi. Un fumeur, il a pas ses cigarettes, il va l'acheter ses cigarettes au tabac. Moi, je peux prendre ma voiture à 2h du matin, aller à son service qui est ouvert la nuit pour en avoir. Mais bon, en général, il y a toujours à la maison, je prévois. Vous faites des réserves? Oui. Ouais. Vous en avez ingurgité combien au maximum par jour? Combien de litres? Au maximum, ça allait de... Enfin, une bouteille par repas et une bouteille avant de dormir. Donc ça faisait au minimum 3 bouteilles par jour, minimum. Et puis bon, ça pouvait aller dans la journée, une petite pause, quelque chose, quoi. Une bouteille de 33 centilitres ou d'un litre et demi? Non, la bouteille, la Magnum, un litre 5. Ouais. D'accord. Et quand il y a eu le petit problème avec la marque, sans évidemment la citer, il y a quelques mois... J'étais un petit peu triste, mais bon, pas désespéré, puisque j'avais suffisamment de réserve. Et puis moi, j'en ai même ri, parce que j'amenais ma canette, par exemple, à l'école. Je l'ouvrais, je les avais vus, je suis hors la loi, je bois du soda. Donc non, ça va, j'en avais suffisamment pour tenir le siège, quoi. D'accord, de t'organiser, quoi. Oui, tout à fait. Hein. Quels inconvénients à cette dépendance? Ça peut être la valise lourde, quoi, parce que quand je pars en classe de mer, j'ai la palette qui est dans la valise. Ouais. Si je pars longtemps, il faut que je me débrouille à négocier avec un cuisinier, quelqu'un pour m'en ramener de la ville, ou... Enfin, c'est des inconvénients, on va dire. C'est difficile de ne pas en trouver, quand même. Non, on en trouve partout, hein, même à l'étranger. Le moindre oui-oui, vous avez ce soda, quoi. La maman de votre maman est avec vous, Janine, oui. C'est ça? Elle est à côté de vous. Bonsoir, madame. Comment ça se fait que votre fils... soit devenu accro, pourtant vous le rationniez quand il était petit, oui, tout à vous fait, le rationniez. Mais une fois qu'il a été un petit peu indépendant, il a fait à peu près ce qu'il voulait, quoi. Ça vous inspire quoi, cette addiction? Moi, j'apprécie pas tellement. Hein. J'ai peur qu'il soit malade une fois, qu'il ait du diabète, qu'il ait trop de sucre, quoi. Pourquoi, il y a des précédents dans la famille? Oui, tout à fait. Ça abîme votre santé, vous pensez? Certainement. Même au niveau poids, tout ça. Bon, je sais que j'avais arrêté pendant un moment de. J'avais arrêté d'en boire, je mangeais plus en dehors des repas, donc je faisais pas beaucoup d'efforts, je mangeais pareil, hein, je mange quand même pas mal. Et j'en buvais pas en dehors des repas, ni manger des bêtises, quoi. J'ai perdu 10 kilos sans rien faire, quoi, juste en buvant pas. Je leur regardais la canette, je disais je te boirais pas, mais bon, ça allait, quoi. Ouais.
Mais bon, j'ai pas tenu très dur, ça a été dur. Vous êtes tenu combien de temps? Un mois et demi peut-être. Ouais. Et pourquoi vous avez arrêté? Pourquoi vous avez repris? Non, je ne sais pas. Enfin, je me suis dit un jour, je vais reprendre un petit coup. Ouais, puis bon, une fois qu'on en reprend, ça y est, c'est perdu, quoi. Donc après, bon, c'est reparti. La bouteille, enfin une bouteille, deux, trois. c'était plus. Enfin, j'aimais bien. Moi, j'étais petit, quoi. Le week-end, quoi. La fête, on avait. Maintenant, j'en ai quand je veux. Et bon, c'est une habitude, quoi. Il me la faut. Le week-end, tous les jours, on peut. Voilà. Maintenant, c'est dommage. J'ai plus le côté festif, on va dire. C'est ça. Ouais. Il y a pas. Pardon, madame. Même quand on est chez les amis, quand on arrive au dessert et qu'il y a du champagne, alors Fabien dit, moi je veux du champagne. Alors oh, ben, la moitié de la flûte suffira, et puis toc, il verse le coca. Alors, bon, ouais. J'aime beaucoup le mélange soda et champagne. Tout le monde me dit c'est gâché. Moi je suis d'accord, c'est gâché. C'est gâché le soda. Ok. Je demandais à Emmanuel Palomino de venir nous rejoindre. Monsieur Palomino, c'est pour venir nous rejoindre ici-bas pour commenter... les différents récits de nos invités. Bonsoir monsieur, asseyez-vous en face. Vous êtes psychiatre, alcoologue, responsable d'un service pour alcooliques dépendants à Jonzac, en Charente-Maritime. Est-ce que le comportement de Fabien pour un soda, il a le comportement et le lexique qui l'accompagne est assez proche de celui qu'on peut retrouver chez un drogué ou chez un alcoolique? Est-ce que ce sont des comportements comparables selon vous? Il m'a donné envie de boire un verre. Bien sûr, moi je m'occupe principalement de dépendance à l'alcool. C'est clair que c'est beaucoup plus dur, j'ai envie de dire, que ce que je vois aujourd'hui. On a vu de nombreuses dépendances ce soir. Bien sûr qu'il y a des différences en termes d'intensité et en termes de type. Et aussi des différences dans le ressenti des gens. Pour certains, on l'a vu, c'est une difficulté à se dispenser du produit. Pour d'autres, il s'agit de contrôle. Une capacité plus ou moins forte à contrôler ou ne pas contrôler, avec parfois l'illusion qu'on contrôle. Pour d'autres, il s'agit d'un sentiment d'une dette. Si on n'a pas encore pris le produit, on a une sorte de dette envers ce produit. Certains disent « je me sens tributaire ». Pour d'autres, on est parfois difficile. On a du mal parfois à faire un distinguo entre dépendance clairement avérée, stabilisé et puis une période d'excès, d'abus. Et peut-être pour certaines personnes ici ce soir, la frontière est un peu nuancée. Pensez à qui? Je pense à Henri en particulier, qui est le jeune homme qui voit beaucoup la télé, c'est ça? Oui, tu es là. Ouais. Moi j'ai envie de te dire qu'il y a des choses qui pourraient m'inquiéter, à savoir que éventuellement tu n'es pas plusieurs types de plaisir pour toi. Là, c'est reptile quand même. C'est vrai, et tant mieux, occupe-t'en, et peut-être essaye encore de varier la palette de tes plaisirs. Ce qui pourrait m'inquiéter, c'est que la télé, éventuellement, te retire trop du monde, comme ta maman te l'a dit, et que tu vois moins tes copains, moins des gens de ton âge, éventuellement, moins ton papa, je ne sais pas. En revanche, ce qui pourrait m'inquiéter aussi, c'est que cet apport sensoriel, c'est des sensations visuelles, auditives, remplace des échanges émotionnels. C'est-à-dire que tu éprouves des choses dans ton corps et un peu moins dans ta tête, et que tu puisses pas parler éventuellement des choses de ta tête. Ce qui pourrait m'inquiéter un peu, c'est que tu n'acceptes pas de t'ennuyer. L'ennui est nécessaire à la construction de notre esprit. Et il est important de pouvoir divaguer, de pouvoir faire fonctionner son imaginaire et accepter de s'ennuyer un peu. Ce qui me rassure, c'est que tu t'es un peu engueulé avec ta maman, avec ton papa, ton beau-père, pardon. Donc j'ai envie de vous dire, n'ayez surtout pas deux télécommandes, ni encore d'autres télés. Il est utile d'avoir des différends et de ne pas les escamoter, de les verbaliser, de les parler. Les psychologues appellent ça, les sociologues appellent ça les confrontations structurantes. C'est utile que tu t'accroches un peu avec ton beau-père, que tu t'accroches un peu avec ta maman, éventuellement avec ton père aussi, et que tu n'écartes pas complètement la peine que tu as eue éventuellement quand tes parents se sont séparés. Ça passe tout bien, non? Vous pouvez continuer. Est-ce qu'il y a... C'est passé en revue tous nos invités. Je suis également au milieu, donc si vous ne gênez pas. Non, mais est-ce qu'il y a des points communs à toutes ces dépendances? Parce que vous faites vraiment un distinguo entre celles qui sont dangereuses et celles qui le sont moins. Quand ce jeune homme disait « Canette, je ne te boirai pas », etc., qu'il était en train d'essayer de narguer son produit, là, on a le comportement de quelqu'un qui est dépendant Il y a un continuum entre les dépendances qu'on va dire banales, naturelles, qui n'en a pas, et puis des dépendances pathologiques. Il n'y a pas une frontière absolue.
Quand est-ce qu'on va dire que c'est plus inquiétant, que c'est pathologique? Eh bien, quand ça empiète trop sur d'autres dimensions de notre vie. Quand ça va nous retirer trop du monde, quand ça va agresser notre santé, quand éventuellement, ce qui au départ était peut-être un plaisir, il est resté pendant longtemps, devient moins un plaisir. Très bien. Oui. Ça reste un plaisir? Ah oui, tout à fait, ça. Hein. Ouais. Pour un plaisir, c'est un plaisir. Ouais. Ça commence à chauffer, là? Vous avez un peu envie d'en prendre une, non? Non, non, ça va. Je sais que je l'aurai tout à l'heure. Donc, oui, c'est ça, voilà. Voilà, je... ouais. Apaisé. Ça, c'est un langage qu'on entend souvent chez ceux qui sont accros à quelque chose. Oui. Si je ne l'ai pas tout de suite, ça va, je survie, parce que je sais que je peux l'avoir quand je veux. Quoi. Absolument. Et il y a une période, en plus, où ce jeune homme reconnaît sa dépendance. Mais il n'est pas rare que quand on est dépendant de quelque chose, on soit passablement aveugle pendant une certaine période et on revendique que sa liberté par rapport au produit ou par rapport au comportement. Et dans ces situations-là, il est utile d'écouter la famille, l'entourage. Parce que parfois, l'entourage est moins aveugle à un comportement de dépendance que nous pouvons avoir. Toutes ces dépendances qu'on évoque ce soir sont dangereuses, à votre avis? Même si on va les passer en vue plus longuement, hein, au fur et à mesure que l'émission avance, et vous pourrez évidemment intervenir à chaque fois. Pas nécessairement, de mon point de vue. Hein. Je pense qu'il faudra poser la question à ceux qui sont concernés. Quand est-ce que c'est dangereux? Quand ça attaque le corps, trop dommageablement. Quand ça attaque les relations interpersonnelles. Quand ça me coupe de mes amis, quand ça me coupe de mon travail, quand ça me nuit à ce niveau-là, ou quand ça déséquilibre trop mon esprit, quand mes pensées deviennent trop en décalage avec le monde. Là, vous parlez de dépendance à un produit. Est-ce qu'on peut aussi parler de dépendance à un comportement? Absolument. Dépendance à une personne? Absolument. C'est des choses qu'on maîtrisait moins il y a une dizaine d'années. Il y a des recherches plus récentes qui, en définitive, tendent à montrer que produit ou pas produit, dans le cerveau, ça donne des choses comparables. Alors, bien sûr, il y a des différences. C'est pas pareil d'être dépendant de la nicotine, d'être dépendant de l'héroïne, d'être dépendant de l'alcool ou d'être un joueur pathologique. Mais ce qui fonctionne dans le cerveau, qui va nous pousser à réexpérimenter soit la prise de produit, soit le comportement, il y a des choses très communes. Et en particulier, il y a un neurotransmetteur, une substance du cerveau qu'on a mis en évidence, qui s'appelle la dopamine ces dernières années. Il serait un tronc commun à l'ensemble des dépendances, avec produit ou sans produit. Les dépendances sont généralement monodépendants ou multidépendants? Il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se fixer électivement sur une dépendance. Il y a des gens qui vont avoir plusieurs dépendances simultanément. Et il y a des gens qui peuvent, dans une vie, passer d'une dépendance à l'autre. Ce n'est pas toujours ennuyeux. Je connais, par exemple, des malades alcooliques qui sont devenus des passionnés de football ou de sport, qui sont devenus, qu'on peut dire, des drogués de sport. Alors, on va découvrir une autre forme de dépendance avec Maud, maintenant. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir plusieurs dépendances ou une seule? Plusieurs, en fait. Michael, mon mari, je le mets en premier. Enfin, c'est quand il n'est pas là, rien ne va. Quand il est là, ça va. Ouais, et quand il n'est pas là, je compense. Je me sens dépendante à mon frigo, ou plus exactement ce qu'il y a dedans. Et la télé et le téléphone. C'est vraiment, c'est la folie, quoi. Dès qu'il part, en fait, il franchit le pas de la porte, alors soit je vais directement au frigo, je me fais un petit plateau, téléphone à côté, télécommande dans l'autre main, et voilà, quoi. Emmanuel, le docteur parlait à l'instant de comportement dépendant, et puis aussi de la nécessité de savoir s'ennuyer, ou d'accepter de s'ennuyer. Est-ce que vous acceptez ça, Maud? Pas du tout. Je crois que c'est là mon gros problème. Dès que mon mari n'est pas là, j'ai l'impression de m'ennuyer. Mais quand je suis avec quelqu'un d'autre, bon, ça va mieux, mais il faut toujours que je le ramène dans la discussion. Je parle toujours de lui. Je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, il est pas parfait. Il a beaucoup de qualités, mais il a aussi des défauts. Mais j'accepte pas de m'ennuyer de lui. Vous êtes tombée amoureuse de lui en combien de temps? 2 jours. Ouais. Voilà. Vous étiez sûre que c'était le bon, ou ça aurait pu en mettre un autre, évidemment, sans manquer de respect à votre mari qui travaille, oui, l'histoire-là? Non, on va dire que j'étais sûre. Bon, c'est vrai, il est arrivé dans un moment de ma vie où ça n'allait pas du tout. Le divorce des parents, le bac, on se demandait si ça allait passer. J'étais avec quelqu'un, c'était l'ami de mon petit ami. Quelle belle histoire. Non, mais bon, donc ça n'allait pas du tout avec mon petit ami de l'époque, parce qu'en fait, il a beaucoup de qualités, mais en fait, il n'était pas du tout présent avec moi. Il ne supportait pas le pot de colle? Il ne supportait pas le pot de colle que j'étais. Enfin, du jour où il est venu s'installer, parce qu'avant, c'est vrai que ça allait encore. Je lui demandais de rater le foot, etc. Bon, ça passait encore. Mais il se disait, c'est le début de l'histoire, c'est normal. Et je pense qu'avec le temps, bon, nos caractères, ça n'a pas du tout été. Et je l'ai quitté, et 2 jours après, je me suis rendu compte qu'en fait, l'homme de ma vie, je l'avais en face de moi depuis plusieurs mois,
Et donc ça a été lui, quoi. Et on s'est plus jamais posé de questions depuis. Vous vous sentez comment ce soir? Mal. C'est... Toujours agréable. Il vous manque? Oui. Je l'ai appelé tout à l'heure et c'est pire. En fait, je me demande ce qu'il fait, à quel endroit il est. Je le sais, mais je veux dire, j'ai envie d'être, de savoir précisément ce qu'il dit, ce qu'il pense. Enfin, c'est vraiment... J'ai l'impression que vous êtes amoureuse de lui. Oui, ouais, déjà, ça, c'est sûr. Il y a un risque, hein, docteur. Ouais. Non, mais là, on est au bord de la fusion, quoi. On va pas pleurer que vous soyez très amoureuse de votre mari. Hein. Dans un sens, c'est une chance d'aimer passionnément quelqu'un. En même temps, c'est vrai qu'une très grande fusion peut masquer éventuellement des manques dans d'autres registres. Et il serait dommage que votre mari soit une sorte de prothèse qui vienne combler quelque chose d'autre. L'image est magnifique, docteur. Non, je suis C'était pas voulu. C'était pas voulu, oui. C'est en fait, encore mieux comme ça. Ouais. En fait, je pense qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il est arrivé dans un moment de ma vie où ça allait pas du tout. Il s'est montré très présent, il m'écoute beaucoup, c'est quelqu'un de très calme. Moi, je suis patient, un peu à l'inverse, ouais. Très, très patient. Oui, je vais vous couper le mot parce qu'on va regarder le reportage, donc d'accord, on va bien pouvoir se rendre compte et après on va continuer à en discuter tous ensemble. Okay. Il est patient, il est extrêmement présent, ils se connaissent depuis l'été 96, ça fait pas très longtemps. Ils ont déjà deux enfants qui ont 2 ans et 1 an. Votre emploi du temps quotidien, disons-le, Maud, est calqué sur le sien. Voilà. Quand il rentre, vous êtes collé à lui, ensuite il se couche, donc vous attendez qu'il se réveille, et quand il se lève, vous ne le lâchez pas d'un demi-pouce, y compris quand il prend son bain ou quand vous prenez votre bain. Donc un reportage extrêmement intime, puisque vous avez accueilli notre équipe dans votre intimité, à savoir Mickaël Gonnand et Stéphanie Guérin. 90% du temps, on est tous les deux dans la même pièce, tout le temps, quoi. J'ai besoin de le savoir avec moi, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus sereine quand il est là. On y va ? On enlève la couche ? T'as rien fait dedans ? Il y a 4 ans, Maud rencontre Mickaël. Entre eux, tout est allé très vite. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont 2 enfants. Mais Maud aime trop son mari, une situation qu'elle trouve parfois excessive. Tu viens là avec, tu mets l'eau par là, tu me dis qui c'est ? Par exemple, quand il est trop long au téléphone, je l'appelle. Je dis, mais qui c'est ? Dis-moi, viens avec moi, c'est un sans-fil, tout le temps ça. C'est chiant pour ceux qui sont à l'autre bout parce qu'en fait je parle aussi quoi. Mais non, t'as pas peur. Ça se passe bien quoi. En plus là, ça m'énerve parce que je peux pas m'absenter de la pièce quoi. Surtout pas avec les petits dans le bain. Alors j'attends et puis voilà quoi. Attention. Quand elle veut son bain, faut que je sois là et que je vous lis un bouquin ou un truc comme ça où on se parle. C'est lourd quoi. Je veux dire, bon, je la regarde faire son bain, c'est sympa, mais bon. C'est bien pour ça qu'il faut qu'on change un petit peu. Je lui parle, mais bon, un certain temps, moi, ça m'énerve un peu. Je préfère aller faire autre chose, quoi. Et c'est vrai que j'arrive pas à la comprendre, et ça, c'est la chose qui m'énerve le plus, ouais. J'arrive pas à voir autrement, j'arrive pas à voir sans lui, donc en fait... Tu lui en laisses un petit peu. Tu lui donnes son avis sur tout. Donc bon, je pense que... Ouais, je pense qu'on peut appeler ça une drogue. T'as mis de l'eau dans les gants, Mika. De toute façon, faut les jeter, moi. Il y a des choses que vous ne faites pas ensemble. Aller aux toilettes. Non, franchement, non, il n'y en a pas. Mickaël travaille de nuit. Il est chef d'équipe dans une usine. Tous les soirs, il quitte la maison à 20h30. Au revoir, maman. Bon courage, à demain. Dis au revoir à papa, au lieu de chiner des bonbons tout le temps. Au revoir, papa. C'est ma canne, quoi. Quand on lui a proposé à l'entretien, avant ce boulot-là, on lui a dit qu'il préférait quoi dans nuit, journée, enfin équipe, la journée et les week-ends. Je lui ai laissé faire le choix, évidemment, et il m'a dit « je choisis la nuit ». J'étais très, très heureuse dans mon petit fond, quoi. Je me suis dit « mais tant mieux ». La séparation avec son mari l'empêche de trouver le sommeil. Ce soir, comme chaque soir, elle tente de compenser ce manque. C'est une habitude que j'ai prise et dès que je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas vraiment dans mon truc, je fais autre chose, je mange. C'est le seul moyen que j'ai trouvé actuellement pour passer la soirée plus vite, m'endormir et ensuite comme ça, il rentre. Donc c'est impeccable. Il y a des moments comme ça où je me sens vraiment très mal. Ce serait facilement les frites ou le cassoulet, quoi. Quelque chose que je ne mange pas en dehors. Et quand ça ne va pas du tout,
Et bah, je prends ce qu'il y a et je mange. Jusqu'à avoir mal à l'estomac. Mon amour, tu me manques toujours autant. J'ai un plateau repas avec petit déjeuner et j'espère m'arrêter là, comme ça tu seras fier de moi. Je veux vraiment qu'il participe avec moi à des moments de vie où on n'est pas ensemble. Puisque je lui mets ce que je fais, ce que je vois à la télé, ce que je mange. Et moi, je me demande à l'inverse ce que lui fait, avec qui il est, qu'est-ce qu'il raconte à ce moment-là, quoi. Aussi, je croise fort mes doigts pour que tu ne bosses pas demain soir. Je t'aime beaucoup, beaucoup, mon ange. À demain, Maud, ta puce. Vivement ce week-end. Et je ne te lâcherai plus. J'attends avec impatience le moment où je craque et que je dors, quoi. Et là, je suis très contente. J'éteins la lumière et deux minutes après, il n'y a plus personne. Il est 7h lorsque Michael rentre du travail. Maud dort profondément. C'est lui qui va s'occuper de Samuel avant d'aller se coucher. Maud, je travaille pas demain. T'es sûr? Ouais, certain. Ok. Je vais essayer de mettre une petite. Allez, 10h, Maud se réveille. Comme chaque matin, elle tente de rester avec son mari, mais c'est avec ses enfants qu'elle va prendre le petit déjeuner. C'est pas aussi agréable que quand il est là, avec moi dans la pièce, quoi. Il y a quand même un manque. Moins fort qu'hier, je suis moins mal. On va dire, je suis un peu mieux, on va dire. Mais bon, c'est pas encore ça. Est-ce que ça joue sur votre humeur? Oui, je suis beaucoup moins patiente avec les enfants quand il n'est pas avec moi, en fait. Sinon, j'arrive, hein. Si tu touches à la télé encore, ça va pas aller. Hein. Ça m'est déjà arrivé de laisser Samuel pleurer assez longtemps et de laisser Simon à côté de moi jouer avec... il ramène des cubes et tout, il joue à côté de moi et je me lève pas, quoi. Je préférerais rester au lit avec lui si c'était possible. C'est clair, quoi. C'est pas que ça m'embête d'être avec mes enfants, c'est que ça m'embête de pas être avec mon mari aussi, en fait. Mais c'est trop fort pour elle. Maud ne peut s'empêcher d'aller voir Michael plusieurs fois dans la chambre. Je sais qu'il dort très bien, mais ça me fait du bien de le voir, de pouvoir faire un petit bisou au passage. Je lui dis des trucs alors que je sais qu'il m'entend pas, mais bon, c'est pas grave. Il dort comme un bébé. Je suis allée le voir, lui disant qu'il restait tant de temps à dormir, que ça allait, qu'il pouvait encore être bien, parce que je lui laissais encore 3 heures, et dire que je l'aime et qu'il me manque, quoi. Je suis contente de voir l'heure qu'avance, et j'essaye de tenir jusqu'à 2 heures. Il m'a demandé 2 heures, donc je vais faire 2 heures. Mika, debout. Ton déjeuner est prêt, après il va être froid. T'arrives, hein? Je reviens pas 10 fois, d'accord? Hein, chérie? Je te sers ton café dans ton truc, Mika. Je vais manger avec toi. Hein? Tu viens? C'est nerveux, c'est plus fort que moi. J'ai le sourire intérieur et je suis contente, quoi. Hop là! On sera le café. Ça vous agace jamais que votre femme elle soit toujours derrière vous, comme ça? C'est vrai que le matin, c'est lourd, quand même, parce que... Je viens à la charge et puis je dis réveille-toi, réveille-toi. Au bout d'un temps, j'ai bien envie de lancer des coussins, quoi. On va se laver? Tu commences ou je commence? Mika? Pour la douche? Si du jour au lendemain, je te laisse comme ça, tout seul, et que je suis pas présente, et que je suis plus aussi pot de colle, tu le prendrais peut-être pas bien, je sais pas. Ouais, non, c'est normal, il y a des choses... Tu veux pas que je change ça? Non, il y a des choses qu'il faut pas changer. Non, on est d'accord là-dessus, alors. Ça me traverse assez souvent l'esprit, je me dis, mais si un jour il lui arrive quelque chose, qu'est-ce que je deviens, quoi? Qu'est-ce que moi et les enfants, on devient? Bonjour. Qu'est-ce que vous regardiez là? Qui a fait U? Oui. C'est pas grave, c'est pas mon mari. C'est amusant, ouais. Vous comprenez que certaines personnes soient un peu... Qu'ils comprennent pas, oui. Ouais.
Mais bon, à mon avis, ces personnes-là ont certainement des défauts. Comme, et ouais, moi, ouais, je pense pas que ce soit un défaut en soi, non. Je me dis que si à Michael ça pose un problème et à moi, ok, il faut l'arranger, c'est tout. Enfin, le matin, il sort pas quand même très volontiers du lit, hein. Vous avez pas vu le contraire. Oui, je sais. Et j'ai fait des efforts. Ah oui. J'arrive à repousser l'heure. Quand il ouvrait les volets, mais je souffre pour lui. Quoi, et c'est lui qui me demande. C'est lui qui vous demande, non. Sincèrement, il me promet qu'il n'entend pas l'aspirateur, il n'entend pas quand je lui demande combien de fois je suis venue dans la matinée, il le sait pas. Il a un sommeil de plomb, quoi. Il hésite entre 15 et 20, c'est ça? Combien de fois vous êtes venue? Ce matin-là, ça a été, quoi. Je veux dire, quand j'arrive à m'occuper, là, je me suis levée à 10h, donc assez tard, donc il y a eu 4 heures. En 4 heures, j'ai dû aller 4 fois, quoi. Ah oui, d'accord. Ça va. Il arrive à bien dormir, donc d'un bon sommeil réparateur, quand vous allez vérifier qu'il dort bien, même toutes les 20 minutes ou... Ouais, ça m'arrive, ouais. Quand ça va pas, en fait, je fais pas du tout le ménage, je fais rien, je vais le voir. Quand il est pas dans la même pièce que vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous ressentez exactement? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est physique, je suis mal. Quand on dit que son mari ou sa femme, c'est sa moitié, j'ai vraiment cette impression-là. Je suis pas bien du tout. D'autant plus quand il est dans la même maison, mais en plus, chez nous, c'est petit. Si on n'est pas dans la même pièce, je trouve ça dommage, je me dis... On parlait avec Cédric tout à l'heure, on verra donc sur ce reportage qui raconte un morceau de l'histoire de votre vie. Vous êtes un passionné de sport extrême, donc saut en chute libre avec un surf, et puis maintenant le base jump, où vous sautez des ponts, etc. On va voir votre petite amie d'ailleurs dans le reportage qui essaye de vous suivre. Vous êtes farouchement indépendant, Cédric. Quand vous voyez un reportage comme celui qu'on vient de voir, vous ressentez comment? Vous avez des palpitations? Oui, ça me fait peur. Hein. C'est vrai? Oui. C'est extraordinaire dans l'absolu, c'est vraiment fabuleux, mais... pas le genre de vie que je pourrais assumer. Non, je pense pas. Vous retrouvez un peu dans une dépendance parce que elle a peur du vide. Vous avez peur de quoi? Du contraire du vide. Moi, j'ai peur de m'ennuyer en fait. Oui, c'est ça. Ça fait un point commun alors. Ça pour reprendre. Ouais. Ouais, je pense qu'on a pas mal de points communs. Moi, j'adore le vide. Je pense que ça se voit. J'ai peur de m'ennuyer. Je préfère mourir de ma passion que mourir d'ennui. Donc, vous préférez vivre quand même si vous avez le choix. Ah oui, je suis pas du tout suicidaire. Ouais. Au contraire, j'adore la vie et ce que j'essaye justement d'ajouter une dimension et de me sentir vivre beaucoup plus intensément. Mais ouais, c'est bizarre. Henri, ça donne envie de te marier vite? Oui et non. Alors pourquoi oui, pourquoi non, Henri, puisque tu fais le malin? Ben, c'est pas que ça me dérangerait d'avoir quelqu'un comme ça, mais bon... c'est rigolo, mais bon, il y a... Au bout d'un certain temps, ça doit être chiant. Ah oui, c'est ça, oui. Tu nous dis ça avec tes mots à toi, quoi. C'est ouais. Vous nous avez dit en préparant l'émission que vous le réveillez quand même 2 heures avant son quota quotidien de sommeil. Ouais, en fait. Ouais. Quand ça va pas du tout, même il dort 3 heures. Ouais. Bah, quand et ça va pas du tout. Il râle jamais, il dit jamais non. Si, mais c'est pas tout le temps. Je veux dire, j'arrive. Là, ça fait quand même depuis début novembre que je l'ai pas réveillé très très tôt. Lui, en rentrant, il essaye de me glisser l'heure à laquelle il aimerait que je le réveille, et je le réveille à cette heure-là. Sur quoi il vous dit non? À propos de quoi vous dit-il non? Mais en fait, c'est quand même, malgré ce qu'on voit, moi je suis très... il est discret, il est patient, il est calme, mais quand dans la maison, quand il y a une décision importante, c'est lui. Mais vous l'autorisez quelques sorties, même rares, avec ses amis L'autre jour, il a été très étonné parce que je l'ai poussé à aller au foot. Parce qu'en fait, ses amis lui ont dit, on t'a pris une place sous les conseils de Maud, mais... Il s'est dit, mais non, c'est pas vrai, je rêve, il y a quelque chose. Et pour lui, c'était non d'office, parce qu'il voulait pas me laisser toute seule un samedi soir alors qu'on se voit pas la semaine. Ce qui est aussi un peu logique, quelque part, on se marie pas pour ne jamais se voir le soir. Le soir, je dis bien. Et donc, il est allé à son match de foot, et moi, j'étais avec quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'en fait, toute seule, j'aurais peut-être pas pris la chose pareille, quoi. Avec quelqu'un d'autre? Avec ma maman. Ah, non. Pardon. Oh, ouais. Il le sait, non, elle était là. Non, Sébastien, ouais. Ça vous inspire quoi, cette histoire d'amour? Ben, pour moi... J'en prie. Pour vous, hein? Pour moi, je trouve que c'est bien pour elle, mais j'ai peur qu'à la longue, il y ait peut-être un petit problème un jour avec son mari qui pète les plombs, ou je sais pas. Mais en fait... On a l'impression, Michael et moi, que c'est l'inverse. Et c'est bien, et ça c'est vrai, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Lui, il ne peut pas imaginer
Ce sont ses mots. Il ne peut pas imaginer aller au foot tous les week-ends, je sais pas, faire deux entraînements semaine, jouer à la console de jeu tout le temps. Il ne peut pas imaginer parce que c'est pas dans sa nature non plus. Et c'est certainement pour ça qu'on s'entend bien. Parce que je pense qu'il aurait craqué depuis quand même. Parce que 3 ans, ce n'est pas énorme. Mais dans un cas comme le mien, je pense que c'est beaucoup quand même. Donc beaucoup n'auraient pas supporté 6 mois. Donc je pense que s'il est encore avec moi... Lui, il me dit si tu as besoin de te soigner, vas-y. Ce que vous faites ? Ce que j'ai commencé à faire, ouais. Pour moi. Parce qu'en fait, je me rends compte que bon, j'aurais pu travailler, j'ai refusé, je me suis mise en congé parental, ça m'arrange bien. Et non, je me rends compte que là, ça ne va plus, que quand on a des discussions avec des amis ou de la famille, c'est... Il faut toujours que je sois avec lui. Enfin, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est plus tenable. Ma maman me le dit, sa maman me le dit, beaucoup de monde me le font remarquer. Et comme j'ai confiance en ces personnes, je dis là, il faut faire quelque chose. En fait. Et moi, le problème aussi qui me pousse à me soigner, c'est le problème que bon, bah, si c'est pas Mika, c'est le frigo. Donc, et pour moi, c'est un gros problème. Depuis mes 2 enfants, je me reconnais pas en fait. Même en regardant un reportage, je me reconnais pas du tout. Donc, physiquement, vous êtes un peu arrondi. 13 kilos, on va dire. Ouais. Je lui dis, secoue-moi, quoi. Ferme le frigo à clé quand tu pars. Je sais pas, parce que j'aime pas le cassoulet. Et quand il y a pas de chocolat ou de bonbons, c'est le cassoulet. Ou les 200 grammes de frites, ou, enfin, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Avant de rencontrer votre mari, vous avez déjà été dépendante à quelqu'un d'autre ? Ouais. Mon premier grand amour, entre guillemets, qui est devenu mon meilleur ami, qui était témoin de mon mariage, parce qu'il s'entend très bien avec mon mari. Et ouais, je pense, en fait. Là, c'était les entraînements de foot, et puis à 7h, il devait rentrer manger, c'était mon voisin de palier. Et ça ne me suffisait pas. J'avais entre 15 et 18 ans, en fait, et ça collait pas, je veux dire. Dès qu'il partait, j'étais en larmes... Les vacances, c'était comme si je le verrais 3 ans plus, je le voyais 3 ans plus tard. Enfin, c'était vraiment le mélodrame. Alors, j'écrivais déjà beaucoup. J'écrivais des poèmes, des déclarations d'amour tous les jours. Enfin, à 15 ans, ça s'explique, à 22, un peu moins. Et je pense que, parce que je lui ai reposé la question à cet ami, il dit effectivement, c'était assez lourd. Lui, il n'a pas supporté. Bon, on est mieux en ami qu'en petit ami, donc il n'y a pas de problème. Mais, et ma meilleure amie, fille, je lui ai posé cette question et elle m'a dit, je suis très exclusive avec elle. C'est une dépendance affective, Maud, pardonnez-moi d'être un peu intime, ou également une dépendance sexuelle à votre mari? Enfin, je veux dire, vous l'aimez dans l'ensemble? Bah, dans l'ensemble, je pense que tout va bien. Et en fait, on en parlait aussi, et, parce qu'on parle tout le temps, beaucoup. Enfin, je pense que je parle tout le temps et m'écoute tout le temps. Et en fait, on se dit que... C'est au bord de la prise de conscience, vous, attention, Maud. Ouais, ouais, non, mais en ce moment, c'est vraiment je sais pas, je suis tombée dedans, là. Ouais. Et en fait, on s'est dit que c'est clair, on pourrait pas se passer de ça. Pour nous, tout va bien à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et je me serais pas imaginée vivre avec quelqu'un avec qui, sexuellement, ça n'allait pas. Je me dis ça, mais je sais pas, c'est pas dans le concret. Mais pour nous, ça a quand même une place importante dans notre couple, ça, c'est sûr. Tu veux faire un point commun, là, Sébastien, non? Ouais. C'est quand même, le moment où je suis le plus proche avec mon mari. Je veux dire, on est tous les deux et personne ne partagera ça avec nous, enfin dans notre cas en tout cas. Et donc, c'est vrai que... vous êtes indépendant affectif, vous, Sébastien. Plus qu'un dépendant sexuel, plus qu'un dépendant affectif. Vous avez en moyenne combien de rapports par semaine? C'est un peu con ces questions, mais on est obligé, c'est pour se rendre compte un peu de ce qui se passe. Alors là, vous me posez une colle. Hein. Ouais. Ben, hier, j'ai fait une scène avec 4 filles, aujourd'hui, j'ai fait une scène avec une fille. Ça fait 5 filles en 2 jours. Qu'est-ce qui vous accroche à ce point au plaisir du sexe? Puisque vous nous dites que parfois, quand vous avez terminé les tournages, vous enchaînez avec des petites boîtes spécialisées. Bah, si j'ai la forme et si je fais qu'une scène, admettons, de la journée, je vais aller dans une boîte échangiste que je connais bien à Paris, chez des amis, et éventuellement assouvir mon désir. Vous avez l'impression d'avoir des besoins sexuels plus importants que la moyenne? Je pense, ouais. Moi, ouais, j'aime bien, j'aime ça, quoi. Je peux pas m'en passer. Est-ce que vous avez une petite amie fixe, en fait? Ah non, pas du tout. Moi, je suis l'homme de plusieurs femmes. Voilà. Ouais. Et vous... C'est bien aussi. Oui. Bon. Vous ne vous imaginez jamais amoureux au point de n'avoir qu'une personne, qu'une compagne? Je vous dirais qu'une chose, si, je l'espère. J'espère qu'un jour, ça m'arrivera. J'ai jamais eu le coup de foudre, je ne suis jamais tombé amoureux. J'ai déjà eu des sentiments forts, mais non. J'aimerais bien. Et donc, c'est ça. Il faudra qu'elle ait la forme aussi, hein, quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je veux dire, vous voyez juste sexuellement avec elle, si vous aimez cette personne, vous imaginez pouvoir sexuellement ne rester qu'avec elle? Je pense qu'il faut que je tombe sur une fille qui soit sexuellement comme moi. D'accord. Ça fait 1 an et demi que vous êtes acteur de film X.
Rocco Siffredi, qu'on avait reçu sur ce plateau, disait que c'était indispensable pour lui parce qu'il avait tout le temps le désir, pour reprendre ses propres termes. Et j'ai tout le temps le désir. Vous avez tout le temps le désir comme Rocco, ok. Regardez pas comme ça, s'il vous plaît. Vous vous sentez parfois comblé au point de vous dire ça y est, j'ai ma dose ou... Ah, ça peut arriver, ça peut arriver. Après, on va se coucher, bien sûr, ouais. On n'est pas des surhommes. Hein. À quel âge vous avez eu vos premiers rapports sexuels? 13 ans. 13 ans. Et tout de suite, vous êtes dit, ça c'est un truc que vous allez. Persévérer ou c'est venu peu à peu? Non, je ne savais pas. C'est petit à petit, les années sont passées et voilà. Petit à petit, un jour, ça a déclenché. Comment vous êtes devenu acteur de porno? Comment vous êtes devenu acteur de porno? Ça a commencé en vacances. Tout simplement, j'allais dans les saunas. Du moins, mon meilleur ami a été avant moi et. Il passait des très bonnes journées et il m'a dit, tiens, il y a des saunas où il y a des choses assez intéressantes, niveau X, quoi, on va dire. Hein. Et bon, j'ai dit, je vais y aller. Et moi, j'y allais tous les jours après. Et bon, je suis tombé sur une personne qui m'a donné un numéro de téléphone, j'ai téléphoné. Je suis tombé sur une autre personne qui m'a dit, écoute, va faire ton test, on tourne dans 3 jours. J'ai fait mon premier tournage et voilà. Ton test, test à l'image. Test HIV. HIV2, d'accord. Vous souffrez de cette dépendance? Pas du tout. Non, ça n'a pas l'air. J'adore ce que je fais. Ouais. Quand vous faites pas l'amour, vous sentez comment? J'en ai besoin, tout simplement. Non, parce que, quelle est la différence entre l'envie et le besoin? Vous n'êtes pas le seul, mais la différence entre l'envie et le besoin? Moi, j'ai tout simplement envie de faire l'amour. Ah bon? Ouais. Vous avez dit besoin il y a un instant. Oui, mais j'ai besoin de l'envie. Ouais. Vous avez envie d'avoir besoin aussi? Voilà. D'accord. Cyril aussi est un ancien dépendant sexuel, vous êtes remis, vous? Oui, ça va. Ça va mieux. Ancien joueur compulsif également, vous vous dites pas guéri, hein. Vous vous dites en voie de rétablissement? Oui, pour moi, je suis pas un ex, je suis joueur, à la seule différence que je compulse ou pas, quoi. La compulsion, c'est la répétition à l'infini, quoi. La répétition, la perte de contrôle. Ouais. Je veux dire, pour moi, dépendance, ça peut pas être joyeux. Pour moi, dépendance, ça rime avec souffrance, sinon il n'y a pas de dépendance. Pour moi, je pense que une dépendance, c'est une perte de contrôle, en fin de compte, de sa vie, au détriment d'une chose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que ça qui a de l'importance, que ce soit le jeu, que ce soit le sexe. Ça devenait obsessionnel, j'arrivais plus à travailler, je ne pouvais plus m'occuper de ma famille. La seule chose qui avait de l'importance pour moi, c'était le sexe et comment avoir ma dose. Puisque là, l'être humain n'a plus sa place, c'est la dose, en fin de compte. Je me suis quand même été jusqu'à me avoir des rapports avec des échauffements. Avec des échauffements? Énormément d'échauffements, et ça devenait de plus en plus douloureux, mais ça ne suffisait pas à m'arrêter, quoi. Ouais. Comment vous faisiez, alors? Je le faisais, point. Quand même? J'avais besoin de ma dose. Donc, c'est plus du plaisir, quoi. Je veux dire, je suis content qu'il en ait encore du plaisir. J'ai eu des plaisirs pendant des années, quoi. Des années, c'est du plaisir, mais un jour, c'est devenu un enfer, un enfermement. Et il n'y avait plus de, comme disait un peu... Monsieur Palomino. Monsieur Palomino, il n'y avait plus... C'est l'isolement, quoi. C'est une maladie d'isolement avant tout, quoi. L'isolement. C'est-à-dire que le seul moyen de communication que j'avais, en fin de compte, c'était le sexe. J'arrivais plus à parler. Et comment ça tournait dans votre tête, ça? Je sais pas si ça tournait, quoi, en clair. Ah bon? C'est-à-dire que rien n'avait... Plus rien dans ma vie n'avait d'importance, en fin de compte. La seule chose qui prédominait à la fin, c'était l'insatisfaction. C'est-à-dire que j'ai commencé à connaître, en fin de compte, la satisfaction dans la sexualité du jour où j'ai arrêté la compulsion. Vous avez été marié pendant 10 ans. Votre dépendance au sexe était-elle compatible avec la vie de couple et la vie de famille? Pas vraiment. Ouais. C'est 10 ans, c'est long quand même, hein, 10 ans marié. J'ai eu, par exemple, j'ai eu de la chance d'avoir une... ou la malchance, je sais pas, d'avoir une femme. Je pense que je trouverai jamais une femme qui m'a aimé comme elle m'a aimé, quoi. Mais m'a aimé comme une mère, pas comme une femme. Parce qu'elle n'aurait jamais dû accepter le centième, en fin de compte, de ce qu'elle a subi. Est-ce que votre femme se doutait de vos activités, disons, extra-familiales? Honnêtement, certainement. Mais elle refusait de se l'avouer. C'est-à-dire que le mensonge faisait aussi partie de votre vie? Surtout. Surtout le mensonge? Surtout le mensonge. C'est-à-dire que moi-même, j'en avais perdu, en fin de compte, la réalité, quoi. Je ne savais plus, en fin de compte, dans ce que je pouvais dire, quel était le vrai et quel était le faux. Je me suis rendu compte assez rapidement que j'étais enfermé dans une maladie de déni. Ouais. Dans une forme de mythomanie, là, j'imagine? Oui, total, ouais. Ouais. À quel moment vous avez pris conscience de votre état de dépendance, que ce soit vis-à-vis du jeu d'argent ou que ce soit vis-à-vis des plaisirs du sexe? Que vraiment, j'ai pris conscience que j'étais dépendant 3 mois avant que j'arrête. C'était quand, ça? C'était il y a 6 ans. 6 ans en arrière. Et depuis 6 ans, vous ne jouez plus?
Je ne joue plus depuis un peu plus de 5 ans. 5 ans. J'ai fait une rechute dans le jeu et je ne joue plus. Comment vous êtes retombé dans le jeu? Moi, dans le jeu, quand, dans mon univers de dépendance, il n'y avait plus de place pour les vacances, tout dans le jeu. Il n'y avait plus de place dans les vacances parce que je ne devais pas, en fin de compte, l'argent ne pouvait me servir qu'à jouer, en fin de compte. Et donc, je n'avais pas dû partir en vacances depuis 4 ou 5 ans. Et l'émotion, la joie que j'ai eue quand j'ai pu partir en vacances, j'ai dû anesthésier cette joie en jouant. Le jeu est beaucoup plus fort pour moi que la sexualité. Hein? La sexualité, c'est quelque chose différent. À quel jeu vous jouiez? Moi, surtout poker et machine à sous. Ouais. Poker dans des cercles, enfin, ou dans... hors casino ou dans les casinos? Hors casino, j'ai jamais mis les pieds dans un casino. Moi, ce qui m'a attiré dans le jeu, c'est le côté illégal. Moi, je sais que j'ai rencontré le jeu à l'âge de 7 ans, j'ai rencontré la sexualité à l'âge de 7 ans. 7? Ouais. J'ai connu un viol enfant à l'âge de 7 ans, et ça a été un... Ça a été, j'ai pas mesuré les conséquences, en fin de compte. Ça a été agréable physiquement. À 7 ans? À 7 ans. C'était agréable physiquement, mais ça a certainement traumatisé une bonne partie de ma vie. Et en plus, c'était secret. Et je me suis tout de suite enfermé dans le secret, quoi. Et aujourd'hui, j'apprends à me libérer du secret, justement. De quelle manière? En en parlant essentiellement, quoi. En me libérant de cette honte. Et de ce que j'ai pu, en fin de compte, subir et faire subir. Emmanuel Palomino, est-ce que vous voulez nous apporter quelques lumières, notamment sur la double dépendance qu'a connue monsieur? Vous en êtes sorti du sexe, parce qu'on a parlé beaucoup du jeu. On ne sort jamais du sexe, monsieur. Ah, pardon. On a toujours besoin d'en vivre. non, je suis sorti de la compulsion sexuelle. Ouais. Mais aujourd'hui, je vis une sexualité. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à faire la différence entre le sexe et la sexualité. Et la sexualité, pour moi, aujourd'hui, ne peut que... être vécu pour moi, pas pour les autres, je sais pas, mais dans une relation monogame. D'accord. Sébastien, ça vous inspire quelque chose? Vous vouliez intervenir? Non, je voulais dire déjà quelque chose tout à l'heure. J'ai essayé de lever la main, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas évident. On sait pas si on doit lever la main. Non, vous parlez directement. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Je voulais lui demander, quand il était vraiment obsédé par le sexe, est-ce que dans votre tête, vous vous êtes dit, j'aimerais bien du moins assouvir quelque chose, faire des films ou, je sais pas, pour vous, comme vous aimiez vraiment beaucoup le sexe? Parce que moi, tellement j'ai vu que j'aimais le sexe, et je me suis dit, vas-y, fonce. Cyril, si vous voulez lui répondre. Non, la comment dire, tourner des films porno ne m'a jamais attiré. Par contre, j'en ai visionné énormément. C'est une différence fondamentale entre les deux. Sébastien, votre prénom? Sébastien. Sébastien a une hypersexualité, une sexualité débridée, mais épanouie. Il a du plaisir, il a du désir, il dit en avoir besoin. J'ai rien à dire. C'est sa vie, ça l'équilibre, il va de l'avant. Pour vous, en revanche, je dirais que c'est ça la toxicomanie, c'est ça la dépendance. C'est-à-dire, il y a de la honte, il y a de la culpabilité, il y a de l'enfermement, il y a que le comportement est organisateur de l'existence au détriment du reste. Et il y a aussi une sexualité qui n'est pas épanouissante. C'est une hypersexualité, c'est presque une masturbation sur l'autre. L'autre n'existe pas en tant que sujet, l'autre existe en tant qu'objet sur lequel on va se soulager. Et c'est une sexualité qui n'est pas épanouie, qui est toujours portée sur la future rencontre, le futur acte. Et ça n'a rien à voir avec la sexualité de Sébastien. Il n'est pas rare qu'après un traumatisme comme celui que vous avez eu, il y a une partie de nous qui voulons se faire du mal à soi-même. Il s'agit de compléter, de se salir. De continuer à se faire mal comme si on exorcisait ce qui s'est passé. Je ne peux que vous suggérer de vous faire épauler sur le plan psychologique. Oui, vous avez fréquenté beaucoup de groupes dits anonymes. On verra qu'il y en a vraiment beaucoup où la prise de parole est tout à fait organisée, où chacun vient dire ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a fait devant les autres, en respectant l'autre. C'est anonyme, comme vous témoignez anonymement ce soir. Je pense que tout ça est du même ressort, un peu, non? C'est, pour moi, je veux dire, l'aide apportée
par une personne qui a vécu le même enfermement que moi et sans égal. C'est-à-dire que je pense que pour comprendre et pour aider, en fin de compte, quelqu'un qui est atteint d'une dépendance quelle qu'elle soit, premièrement, il ne faut pas être affecté par le problème. Donc je pense que la famille d'indépendant ne peut que renfermer le dépendant dans, encore plus dans sa maladie, par son comportement, et surtout avoir connu l'univers, quoi. Connu l'univers pour vraiment comprendre la personne et l'accueillir. Connu quoi ? L'univers de la dépendance. Ah, l'univers de la dépendance. Cet enfermement. D'accord. Je donne la parole à Gabriel, qui, lui, témoigne de manière encore plus anonyme, si je puis dire. Il a souhaité être dans une de nos loges en coulisses et nous apporter quand même son éclairage. Gabriel, votre problème à vous, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Gabriel. Vous se situez du côté de l'argent. Vous étiez ce qu'on appelle un débiteur compulsif. C'est assez peu connu. Vous avez, vous aussi, trouvé de l'aide dans un de ces groupes anonymes. Et vous êtes, d'après ce que vous nous avez dit, sur la voie de la guérison actuellement. Oui, ça va beaucoup mieux depuis effectivement que j'ai cette prise de conscience que j'avais un problème de dépendance et que j'ai fait ce qu'il a fallu en fait après quelques années de psychothérapie qui pour moi ont abouti à un constat que bon, je souffrais encore beaucoup trop. Et c'est là que j'ai trouvé effectivement sur ma route un certain nombre de solutions et dont justement quelques groupes qui m'ont permis d'aller dans des réunions où j'ai pu m'identifier aux problèmes de personnes. Débiteur compulsif, c'est pas une expression qu'on entend souvent. C'est une de mes dépendances. Je suis moi aussi multidépendant. Débiteur compulsif, d'abord, s'il faut nous expliquer exactement ce que c'est que c'est un rapport pervers à l'argent. Ouais. Dangereux et pas agréable. Bon, c'est vrai que comme j'ai entendu tout à l'heure, c'est quelque chose qui fait souffrir. C'est-à-dire que c'est un état que j'ai rencontré dans le passé qui a eu plein de conséquences sur ma vie. Moi, je suis plutôt anorexique. C'est-à-dire que le fait d'être anorexique, au bout d'un moment, ça provoque chez moi une sorte d'explosion et c'est en fait cette compulsion. C'est le même principe que l'anorexie boulimie, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, pour caricaturer, prendre des mots que tout le monde utilise, vous êtes très radin pendant un bout de temps et ensuite extrêmement dépensier, c'est ça? Ouais, d'ailleurs, j'aime pas trop le mot radin parce que finalement, le mot radin, c'est le symptôme pour l'entourage. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours vachement mal vécu dans le sens où le symptôme apparent est le radinisme. Mais finalement, moi, ce que me donne la pratique de ces réunions, c'est que finalement, en ayant compris que j'étais pas radin, que j'étais plutôt quelqu'un de généreux, ça m'aide aujourd'hui beaucoup plus à aimer les autres, par plus d'amour envers moi. Ça m'a permis vraiment d'être plus à l'écoute des autres personnes. Gabriel, expliquez-nous comment fonctionne un débiteur compulsif, parce que ce n'est pas extrêmement clair entre l'anorexie, la boulimie, retenir les sous et puis tout sortir d'un coup. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête, dans votre cœur C'est-à-dire que je voyais des trucs, par exemple, là, ces temps-ci, vous voyez, c'est les soldes. Je voyais, à force de voir des trucs qui me plaisaient, je faisais le tour des boutiques, j'achetais pas. Puis au bout d'un moment, je flashais sur un truc qui me plaisait pas forcément ou qui m'allait pas forcément, donc je sautais dessus. Puis après, j'allais l'échanger. C'était très difficile en fait d'avoir un acte, je dirais, adulte de quelqu'un qui agit en conscience et qui se fait plaisir, quoi. En fait, vous dépensiez trop au total? Plus que ce que vous gagnez, je veux dire trop, tout relatif. Hein, mais... C'est difficile à dire. C'est vrai que j'ai souvent pété les plombs dans le sens où j'ai dépensé très très longtemps beaucoup plus que ce que je gagnais. Et j'ai entraîné aussi ma famille dans ce genre de gouffre. Vous savez, c'est-à-dire une femme, des enfants également? Ouais, voilà, c'est ça. Et finalement, aujourd'hui, avec le recul, cette réflexion me permet de voir que ce n'est pas une tare, que je peux m'en guérir. Et je vois aujourd'hui, pour moi, ça marche, dans le sens où moi, je ne suis plus débiteur. Je sais beaucoup plus me faire plaisir. Des petits trucs, par exemple, avant, je ne savais pas aller au cinéma. Je m'achetais de la bouffe à 2 balles. Aujourd'hui, je sais apprécier des bons produits et je sais beaucoup plus me faire plaisir également. Comment je vous avez fait Pardon, oui, faire plaisir aux autres, quoi. C'est ça qui est important. Voilà. Comment vous avez fait souffrir votre famille à cause de votre problème d'argent, de débiteur, comme vous dites?
C'était par exemple, je sais pas, j'oubliais les anniversaires, j'oubliais, j'avais pas d'attention pour ma femme, j'avais pas d'attention pour mes enfants qui me l'ont reproché jusqu'à il y a quelques temps. Quand je voulais m'acheter, je sais pas, une paire de chaussettes, je mettais 6 mois avant de me l'acheter, et puis quand j'achetais, j'étais jamais content de moi, et c'était un dilemme permanent, et c'était sur tous les aspects, quoi. Quelles étaient les autres dépendances ? L'affectif, beaucoup, le fait de souffrir dans mes rapports, de ce que peuvent dire les autres, ou de ne pas dire, une sorte de somatisation sur ce que peuvent être les autres ou non. Bon, voilà, je me fais plein de films. Et, vous avez quel âge à peu près aujourd'hui ? J'ai 40 ans. Et, ce problème de lié à l'argent, entre autres, compulsion, entre autres pathologies, entre autres dépendances, est né à quel moment de votre vie ? Je crois que ça remonte à il y a très très longtemps, quand j'avais peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Je n'étais pas vraiment d'une famille, vous voyez, où on était dans le besoin. Mais je crois que c'est venu après par des comportements de famille qui m'ont touché, je ne sais pas, comme le radinisme des gens qui m'entouraient, ou que j'ai repris finalement à mon compte. Il existe, Gabriel, et je parle aussi sous contrôle de M. Palomino, je pense que vous connaissez ces groupes de prise de parole anonymes. Alors il y a ceux qu'on connaît bien, les plus connus étant sans doute les alcooliques anonymes, vous qui êtes alcoologue, vous ne me contredirez pas, mais il y a également les débiteurs anonymes dont vient de nous parler donc Gabriel, les dépendants affectifs et sexuels anonymes. Vous les avez fréquentés, Cyril ? Je connais, oui. On vient parler de son problème de dépendance affective ou sexuelle. Donc affective, vous ne connaissez pas, ça vous intéresse. Oui. Les narcotiques anonymes pour ceux qui prennent des drogues illicites. Les outre-mangeurs anonymes pour ceux qui sont boulimiques ou qui ont un problème d'anorexie. Oui. Les joueurs anonymes. Les joueurs anonymes, ouais. Oui. Les gamblers, ouais, ça. Voilà. Le principe est simple à comprendre. Les gens se trouvent dans une prison dans la tête. Ils se disent, il n'y a que quelqu'un qui est dans la même prison que moi qui peut me comprendre. Ouais. Et il n'est pas exceptionnel qu'ils aient un peu raison. Hein. C'est-à-dire que quand on est à l'extérieur de cette prison, on a du mal à comprendre. Et souvent, quand on a du mal à comprendre, on va plus vite en jugeant. Et les gens qui sont dans cette prison se sentent vite montrés du doigt, se sentent vite jugés et rarement compris. En se retrouvant entre eux, ils peuvent réinfiltrer de la parole. Et c'est ça qui est fondamental, de pouvoir de nouveau s'écouter, s'entendre, s'exprimer, mettre des mots sur ses souffrances, se sentir moins isolé, se sentir compris, regarder avec une certaine compassion. Et les partages des témoignages permettent aussi des identifications réciproques. Et ceux qui vont mieux, ceux qui vont moins bien peuvent s'identifier. Ceux qui vont mieux, en voyant ceux qui vont moins bien, se Monsieur disent leur progrès, il ouais. faut que je ah oui, je fasse attention. Et c'est un réseau aussi qui permet de connaître à nouveau des gens, de se sentir presque dans un nouveau groupe d'appartenance qui est un groupe de solidarité, parfois même avec une composante identitaire. Il vaut mieux que je sois alcoolique abstinent, dans un groupe anonyme, il vaut mieux que je sois un joueur anonyme abstinent plutôt que de figurer sur la page des journaux aux faits divers du mauvais côté. Raccrocher son petit wagon au train de la société, quoi, si on peut dire. On va regarder donc le reportage qui concerne Cédric dans un court instant, mais d'abord on va parler un peu du comportement, de ce qui se passe dans des sectes, hein, quand on parle de dépendance. Vous voulez ajouter quelque chose à propos de Gabriel ? Sur les acheteurs compulsifs, ouais. Très souvent, c'est une masque... découverte pour beaucoup de gens, ça. Ouais. Très souvent, c'est le masque d'une souffrance. Une souffrance importante, souvent un état dépressif, exceptionnellement certaines formes de maladie mentale. Et je crois que c'était le cas de ce jeune. C'est une façade de quelque chose qui va assez mal à l'intérieur. Il ne faut pas être obnubilé par le symptôme d'achat compulsif et s'intéresser à ce qui se passe, aux souffrances sous-jacentes. Cyril, pourquoi vous continuez à fréquenter ces groupes d'anonymes qui discutent, parce que vous êtes en voie de guérison, comme vous le disiez vous-même. Vous sentez que si jamais vous décrochez, vous mettez en danger ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je continue. La première raison, c'est pour garder ce que j'ai, il faut que je le transmette. C'est-à-dire, c'est un peu comme Pasteur qui a fait son premier vaccin, il ne l'a pas gardé pour lui, quoi. Il l'a transmis. Et moi, aujourd'hui, mon expérience veut que j'ai pu arrêter... de jouer et d'autres comportements compulsifs. Et je pense que... moi, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé, de voir des gens qui avaient connu le même enfer que moi. Parce que moi, j'avais envie de me suicider. Hein. J'en étais arrivé au point où le jeu ne suffisait plus, quoi. Je voulais me suicider. Et donc,
j'étais content de trouver des gens qui avaient arrêté de jouer, quoi. Et est-ce qu'on peut être sûr un jour de ne jamais recommencer? Est-ce qu'on peut guérir définitivement, vous pensez, M. Palomino? Il y a beaucoup de discussions parmi les spécialistes. Hein. Ouais. Beaucoup d'entre nous, on pense que lorsque la dépendance est sévère, durable, structurée, a été organisatrice de l'existence, c'est-à-dire que non seulement on avait perdu le contrôle du produit ou du comportement, mais on avait perdu le contrôle de sa vie, nous sommes nombreux à penser qu'on ne peut pas reprendre une pratique modérée de ce comportement. Nous gardons une sorte de mémoire psychobiologique. Et si le produit est de nouveau présent, des processus se remettent en place et c'est de nouveau l'absence de contrôle à plus ou moins brève échéance. Et d'ailleurs, les joueurs anonymes le savent bien. Mais c'est davantage discuté pour les joueurs anonymes. Hein. Il semble que tous les joueurs Il semble que tous les joueurs pathologiques ne présentent pas exactement le même cas de figure. Et certains, apparemment, pourraient reprendre avec modération. C'est controversé. Mais beaucoup se stabilisent en ne touchant plus du tout au jeu. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que même reprendre un tout petit peu, c'est se remettre en danger parce que la sensation revient aussi forte qu'on l'a connue dans le passé. C'est changer de planète. Ouais, c'est ça. C'est partir de notre planète vers la planète de la dépendance. Où on retrouve l'absence de contrôle. Cédric, vous ressentez une absence de contrôle dans votre activité Ah non, pas du tout, au contraire. Vous contrôlez vos sauts? J'essaie de contrôler un maximum de paramètres justement pour éviter... Mais est-ce que vous vous contrôlez vous-même avant de sauter, je veux dire? Est-ce que vous pouvez vous empêcher de sauter, par exemple? Ah non, pas du tout. Non. Enfin, il faut vraiment une blessure, je dirais, assez grave ou importante pour être au sol, façon de parler, ou une météo vraiment tout à fait mauvaise. Sinon, non, je contrôle pas du tout. Non. Vous sautez combien de fois par an? Je fais plus ou moins 1000 sauts d'avion par an et... une cinquantaine d'objets, de sauts d'objets fixes. Parmi nos invités, on a vu que leurs sensations remontaient à un âge assez, assez petit, assez précoce, dans le cas d'Henri. Enfin bon, tous les cas sont évidemment extrêmement différents. À quel âge vous avez commencé à jouer à vous faire peur, vous? J'ai eu la possibilité, donc mes parents m'ont toujours fait énormément voyager, m'ont toujours poussé à faire du sport. Et j'ai eu la possibilité très tôt à commencer les sports de glisse, donc j'ai commencé par le skateboard, qui est assez... traditionnel et normal, je dirais. J'ai eu la chance d'habiter au bord de la mer, donc j'ai commencé à faire du surf, j'ai commencé à faire du windsurf. Et puis, il y a un moment, on s'en lasse, et puis, il y a un moment, on recherche autre chose, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus intense. De plus dangereux? Plus intense. Mais c'est objectivement plus dangereux, ce que vous faites aujourd'hui par rapport au windsurf? Oui, tout à fait, oui. Ouais, objectivement. Ouais, objectivement, oui. et puis, j'ai commencé à sauter d'avion en 91. Ça m'a plu. Je trouvais ça très bien et puis après 400-500 sauts, je me suis dit pourquoi ne pas m'accrocher une planche de surf au pied. Je pense que je pourrais aller plus vite, plus fort. Donc je l'ai fait, j'ai continué, mais ça nécessite énormément de préparation, aussi bien mentale que physique. Donc j'ai toujours fait avec des gens compétents, des professionnels. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et puis j'ai commencé le base jump il y a plus ou moins 4 ans. Et j'ai eu la chance également, mais je ne comptais pas le commencer avant d'être entouré, je dirais, vraiment par les gens... Oui, mais Cédric, ça n'exclut pas le risque quand même? Non, pas du tout. C'est ça qui m'excite quelque part. C'est ça, vous aimez la peur. C'est cet équilibre entre le risque et la maîtrise du geste. On va regarder ça ensemble, un reportage qu'on a tourné la semaine dernière, où vous avez effectué votre dernier saut avant de passer sur le billard pour vous faire opérer du genou, qui souffre un peu encore aujourd'hui, un genou usé, à force d'avoir forcé, parce que quand vous sautez dans le vide, vous êtes arrivé, vous nous avez raconté en faisant du sky jump, c'est-à-dire sauter avec un... Du sky surf avec un surf. Avec la force centrifuge, d'avoir même du sang qui perlait autour des ongles. Oui, j'ai souvent que ce soit du sang qui passe, enfin qui s'injecte dans mes yeux. J'ai bandé mes bras pendant un an, pendant une saison, parce que j'avais du sang qui, enfin, la moindre blessure au doigt, ben, y a du sang qui, c'est normal, c'est la force centrifuge. Donc, mais il y a des techniques, ça s'apprend et on s'accoutume à ce genre. C'est extrêmement spectaculaire. Donc là, on parle du sky surf, on parle aussi du base jump. Donc c'est sauter d'un pont, sauter d'un quelque chose qui est fixé en tout cas à la terre. C'est un sport avant tout. Je tiens à préciser, c'est un sport. Un sport. C'est ni un exploit ni une cascade. Je pense que c'est un sport et qui nécessite énormément de préparation. C'est pas autorisé, mais enfin là où vous le pratiquez, en tout cas, il y a une sorte de... Le saut d'avion est tout à fait autorisé. Oui, je parlais du base jump, là. Le saut d'objet fixe, non, mais ça ajoute justement un petit piquant. C'est ça. Ce côté illégal, je pense que... Ou vide juridique, on va dire, parce que vous sautez sur une zone qui est entre deux pays, on ne sait pas très quelle police est responsable. Dans ce cas-ci, oui, ce que vous allez voir, oui, mais en général, si on saute en ville, je dirais que ce soit à Paris ou à New York, c'est tout à fait illégal. Donc on essaye toujours
de fuir, enfin, dès que le saut est vous fini. Vous sautez à New York d'un immeuble, par exemple? Oui, tout à fait. Ouais. Ah oui. Enfin, moi, je ne l'ai jamais fait personnellement, mais j'ai des amis qui l'ont fait. À Paris, ça se fait, je pense, régulièrement. Et c'est tout à fait illégal, mais ça ajoute justement... Vous vous sentez dépendant, puisque c'est le thème de notre discussion de ce soir, à ces sensations fortes, extrêmes. Oui, ouais, je ne pourrais plus en passer. Avec toujours cette peur de ne plus jamais avoir peur. Un reportage de Gilles Couder et Aline Le Tourneau. Ça dégage, hein, des branches. Cédric Dumont cumule plus de 4000 sauts de skysurf, une discipline dans laquelle il estime avoir fait le plein de sensations. Depuis 4 ans, il rejoint son copain Thierry dans la pratique d'un nouveau sport, le base jump. L'émotion démarre au pliage du parachute, ça dure 2 heures. C'est ça qui nous donne justement cette boule dans le ventre. C'est éventuellement la faute qu'on pourrait faire ici, qu'on n'a pas envie de faire. Et il y a un danger, oui, on est toujours dépendant du... d'un morceau de tissu qui va s'ouvrir plus ou moins bien, donc il y a toujours un danger. Mais là, justement, on essaye de minimiser tous les paramètres dangereux en commençant par plier une voile correctement. Enfin, on essaye, mais il y a toujours un pourcentage de risque, oui, forcément. Ben, sinon, on ne le ferait pas non plus. Hein. Chance, hein. Je veux dire, il y a un parachute, il y a une chance, donc faut pas la rater. Hein. Suite à un saut, Cédric souffre du genou et doit se faire opérer le lendemain. Pourtant, avec Thierry, il n'hésite pas à faire 200 km vers un spot qu'ils connaissent bien. Besoin de faire le plein de sensations avant l'opération. Je suis tout le temps dedans. Il n'y a pas... Je m'endors avec des images, je me réveille avec des images, je m'imagine sur des spots... C'est un style de vie, je veux dire. C'est pas... Si je pense pas au base jump, je pense à ma figure de skysurf. Je pense à un bruit de turbine d'avion, je pense à une porte d'avion qui s'ouvre, je pense à une belle falaise. Je pense qu'à ça. On n'est même pas sûr de sauter. Si les conditions sont pas bonnes, on saute pas. Donc c'est vraiment... C'est cette obsession, je dirais même pas que c'est une passion, c'est passer au stade obsessionnel de se jeter d'un objet. Pourquoi vous le regardez comme ça? Mais c'est assez frustrant hein, de voir un objet duquel on ne peut pas sauter. J'aime pas tellement. Ils auraient pu le construire un peu plus haut. Mais bon, c'est comme ça. Yes! Et on va d'abord aller en bas. Hein. Ouais. Ça souffle là quand même. Boss, ça va quoi, il faudra sauter entre deux rafales. On va aller en bas, on va checker la zone d'atterro. Ouais. Allez, go. Vide ? Quoi ? Bien, c'est vide. Pour vous donner quelques chiffres, un saut d'avion, on ouvre plus ou moins à 800 mètres. Et ici, le pont fait 80 mètres, donc on va être ouvert à 40 mètres. En chute libre à cette hauteur, il faut 3 secondes pour atteindre le sol. En base jump, celui qui saute décide d'ouvrir son parachute très tôt ou au contraire le plus tard possible. A priori, tout va bien se passer, mais s'il y a le moindre problème, il faut réagir. Il faut réagir vite. Et en fait, c'est à ça qu'il faut faire face. Il n'y a rien qui pourra m'arrêter, je vais pas commencer à me poser des questions inutiles. Donc, j'en reste toujours aux trois mêmes questions, c'est ai-je bien plié, suis-je bien mentalement, est-ce que les conditions météo sont réunies? Je crois que là, aujourd'hui, ça va. Yes. Yes.
veille. Pour ce saut, le premier de la journée, Cédric ne prend aucun risque. Thierry, resté sur le pont, déclenche l'ouverture de son parachute. Ça, c'est la décharge. Ça, c'est l'atterrissage. Non, c'est pas fini. Et au moment de l'atterro, ça se libère, c'est comme... C'est orgasmique. Excellent. Ah, waouh. Putain, ah, c'est bon. C'est bien, hein. Extraordinaire. Je suis pas parti Stone. Non, j'ai vu. La tombe de soi un peu. À panne au sol, on a envie de sauter. Hein. Moi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. C'est replier, sauter. C'est tellement bon qu'on a envie de reprendre, sans tomber dans le cliché, de reprendre une dose directement. Quand on est prêt à partir, on se dit bon, go. Et là, bon, là, c'est vrai qu'il y a un déclic. Mais là, il y a un vide. Ouais, il y a un vide qui se fait. Il y a un vide. Là, il y a un vide complet. Il y a une distorsion du temps. C'est-à-dire que là, une seconde devient... on n'a plus la même notion du temps qu'ici. Je me pose constamment la question pourquoi je le fais. Et là, cette dépendance prend le dessus. Il n'y a plus vraiment de raison pourquoi risquer sa vie pour une seconde de chute. Pour ce deuxième saut, Cédric décide de déclencher lui-même l'ouverture de son parachute. C'est la première fois qu'il le fait d'un objet aussi bas. Waouh ! Youhou ! Excellent. Là, on voit bien le sol. Ça, on n'est vraiment pas où. Putain, en chute à 80 mètres, c'est vraiment bas. Au moment où j'ai lancé l'extracteur, j'ai regardé le sol, c'est la seconde... Entre le moment où tu lances l'extracteur et l'ouverture du parachute, ça dure une éternité, c'est affolant. Yes. Yes. C'est flic sur le pont. Non. Ouais, ouais. C'est vrai? Ouais. Faut dégager ou quoi? Comme prévu, le lendemain à 7h30, Cédric est hospitalisé pour son genou. C'est Julie, sa petite amie, qui l'accompagne à la clinique. Au bout de combien de temps vous sentez qu'il faut qu'il bouge quand vous êtes ensemble? 10 minutes. Ça, c'est très très vite, hein, non? Pas 10 minutes. Non, une heure. Ça dépend ce qu'on fait. Moi, je m'organise en fonction de la météo, donc je suis vraiment dépendant de la météo. Donc j'en profite, passer du temps avec mes proches quand il fait vraiment quand il fait mauvais. Et sinon, dès que le ciel est bleu le matin, je suis ou dans l'avion ou au bord d'une falaise. Donc, j'essaye. Est-ce qu'à un moment, vous aurez envie de le changer, par exemple? Non. Là, si ça m'ennuie, je partirai. Mais le changer, je ne saurais pas le changer. C'est pas le but. Vous n'essayerez pas? Non. Mais je pense jamais. Que ce sera pas possible. Il n'y a pas le choix. Enfin, je laisse pas le choix. Je suis comme je suis, on me prend ou on me prend pas. Non, je fais mentir. S'il y a quelque chose, tu peux toujours sonner. Hein. On se connaît pas depuis tellement longtemps et que je crois qu'on doit laisser le temps passer et voir ce qui se passe. On prend le meilleur maintenant. Bon, vous pensez qu'un jour votre passion, vous pourrez la payer cher, un peu plus cher que ça, non? Oh oui, certainement, oui. Il y a toujours le risque de l'accident. Hein. Et si c'est pas vraiment la mort, c'est se faire mal, oui. Mais ça me fait pas trop peur. Enfin, sans prétention, j'y pense pas trop. Et puis si ça doit arriver, c'est que ça devait arriver. Hein. Je pense que plus le plaisir est ultime, plus
Le prix est cher à payer. Il y a un peu de... une petite lésion cartilagineuse là, au bord de la rotule. Ça, c'est le tibia, côté opposé. Donc, nous sommes dans la moitié interne du genou. Ici, il y a le ménisque interne qui me semble être en bon état. Ah, c'est ça? Oui. Déchirure, ménisque externe. Pas grave, ça? Non, pas du tout. Impeccable. Il y a donc une combinaison de deux, trois petites choses. Donc, on va enlever une petite partie, un petit morceau du ménisque. De combien de temps il va pouvoir sauter, vous pensez? Un ménisque externe, dans mon expérience, ça dure un peu plus longtemps qu'une lésion méniscale du ménisque interne, mais disons d'ici 3-4 semaines, ça devrait être possible, si tout va pour le mieux. Ça te paraît long? Ça, c'est un peu long. Ça, c'est un peu long, hein? Ouais, on verra bien ce qui se passe, mais... Je suis pas déçu, c'est comme ça, c'est comme ça, je le prends comme ça. Hein. Je suis assez fataliste, donc c'est pas dramatique. C'est pas évident, mais tu sais que c'est pour un mieux, donc c'est reculer pour mieux sauter. C'est amusant. Ouais, vous dites dans le reportage que vous pensez aux belles falaises, quand vous vous réveillez, au bruit d'un avion, la porte qui s'ouvre, enfin à tous les plaisirs qui sont ceux que vous connaissez dans votre métier, parce que vous êtes professionnel. Vous rêvez jamais de votre petite amie, d'amour, de... Si, ça m'arrive, tout à fait. Mais je pense pour l'instant quand même souvent aux avions ou une belle antenne ou un immeuble ou une falaise. Ouais. 80 mètres, c'est l'équivalent de... J'essaye de maîtriser, justement. J'essaye d'équilibrer ma vie aussi, je pense pas. Je pense pas, moi, je le vis très bien. Hein. Je pense que c'est un point commun avec Sébastien, c'est que... Je le vis très bien. Vous avez le même âge, tous les deux, 28 ans. Ouais. Et je pense que c'est tout à fait comparable au sexe. C'est très puissant, c'est très intense. Et dès que c'est fini, on a envie de recommencer. J'ai souvent comparé le base jump à avoir une relation sexuelle dans un accident, en même temps qu'un accident de voiture. Ah, comme dans le film Crash de Cronenberg. Exactement, oui, tout à fait. C'est like having sex in a car accident. Je l'ai entendu plusieurs fois et je trouve ça correspond bien à ce qu'on ressent. Ouais. C'est un espèce de crash complet, C'est énorme. Mais justement, ce qui est amusant, c'est toute la gestion émotionnelle qu'il y a avant le saut. Ouais. Je veux dire, moi, il n'y a pas vraiment... le saut qu'on a vu... 80 mètres, ça fait 25-27 étages à peu près. Oui, plus ou moins, oui. Ouais. C'est très représentatif, justement, ce besoin d'adrénaline. C'est-à-dire que là, on n'a pas été ni pour la vue, ni pour le paysage, ni pour le temps de chute. Donc, ce n'est pas un fjord en Norvège où on va chuter 15 secondes, c'est extraordinaire, on vole, c'est fabuleux. Là, on a vraiment été... Chercher une sensation. Simplement, voilà, exactement. Comme quelqu'un va chercher une relation sexuelle ou un esquimau ou un verre d'alcool ou un shoot. Tout à fait. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que celui-là, je suis tout à fait dépendant, mais je le vis très bien. C'est votre métier, vous gagnez votre vie avec ça? En tant que skysurfer, c'est mon métier, oui. Je le fais, je participe à des compétitions, il y a les X Games, il y a les championnats du monde. J'ai fait des publicités, je fais des photos pour certaines marques. Ouais, les X Games, ce sont des jeux un peu extrêmes, quoi, qui ont lieu aux États-Unis plus souvent. Oui, c'est ça, c'est les Jeux Olympiques des sports extrêmes. Je pense que ça reprend tout. C'est extraordinaire parce que là, on rencontre justement... Je précise les X Games pour Sébastien, évidemment. Oui, il n'y a pas les Sex Games. Ouais. C'est drôle, hein, on se marre. Hein, c'est pas mal. Mais il n'y a pas encore cette discipline, mais on va y penser. Oui, ça pourrait. Hein, tout à fait, oui, parce qu'on vit le même trip. Je veux dire, c'est tout à fait comparable. Hein. Moi, en parlant d'X Games, je pense qu'on rencontre des gens, on est tous dans le même trip. Que ce soit en moto, que ce soit en skate, que ce soit en... Enfin, tous ces sports dits... De glisse, de vitesse. Oui, dits alternatifs, dits marginaux. Je pense qu'on est tous à la recherche de sensations fortes. Le baise, à mon avis... place la barre très haut. Entre le X et le baise, qu'est-ce qu'on avance, oui. Mais voilà, exactement, oui. C'est du sport aussi. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un hardeur, c'est du sport. Hein. Ah, ce qu'il fait, c'est du sport. Ah oui. Vous avez plusieurs pauses à faire, vous n'avez pas qu'une pause à faire. Qu'est-ce qu'il y a, Maud? Vous en avez plusieurs. On peut vous demander pendant 3 heures, pendant 4 heures, pendant 6 heures de tenir, pendant 10 heures s'il le faut, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. C'est le mental qui marche, c'est tout. Vous avez toujours envie? Vous avez toujours l'envie? Ouais, mais oui. Vous êtes toujours le plaisir, ou au bout d'un moment, c'est l'habitude, la compulsion qui remplace le plaisir, la répétition?
Ah, y a aussi l'habitude, il y a aussi le fait de travailler. Je suis quand même dans mon boulot, quoi. C'est mon boulot. Et même à côté, bon, ben, j'en prends un plaisir à côté. Mais quand je travaille, j'écoute mon réalisateur, j'écoute ce qu'il me demande. Je vais faire ce qu'il me demande et je vais faire du sport. C'est vrai que c'est du sport. Je veux dire, des fois, on se retrouve dans des positions que je demande à des gens. Il est balèze, d'ailleurs, on le voit. Hein, vous êtes costaud, ouais, plutôt. C'est une question aussi d'avoir quelque chose dans la tête en même temps, quoi. Mais c'est pas... Oui. C'est pas du tout de l'inconscience ou de la folie, hein. Je pense que. Non, pour vous mesurez le danger, vous essayez de minimiser le danger, voilà, mais le danger demeure. Ce qui m'intéresse justement dans cette démarche, c'est la, ouais. c'est la gestion de l'émotion, c'est la maîtrise de mes émotions avant le saut et toute la préparation. Et puis le saut, en fait, c'est pas. Le saut, je pense que ça représente pas grand chose, c'est avant et après. Oui, je vous en prie, oui. Docteur. Je pense que votre place dans la société n'est pas un hasard. Nous sommes une société qui cultive le tout sécuritaire. Et je pense que les gens comme vous, finalement, permettent à une partie d'entre nous de vivre le risque, de vivre l'aventure, de vivre les émotions par procuration. Et en particulier, une théorie qui dit qu'on n'est pas tous égaux au sens du besoin de sensations. Il semblerait que certains d'entre nous, on est des chercheurs de faibles sensations qui préféreront une vie calme, peinarde, pas trop de nouveautés. Et, Je connais, ouais. Et puis ouais, d'autres personnes qui ont un besoin de sensations assez fortes, assez permanentes, c'est-à-dire qui sont plus remuants, qui vont explorer davantage, rechercher l'aventure, se faire peur, se faire des émotions. Et il semble que ces gens-là soient plus vulnérables pour développer des dépendances. Ceci dit, vous me paraissez très équilibré, vous maîtrisez, vous cherchez à maîtriser les techniques, à minimiser le risque. Ouais, il n'y a pas de place chez nous pour des déséquilibres. En même temps, je pense que c'est friser la mort qui vous permet de vivre. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est se rapprocher de la mort pour sentir la vie plus intensément, en fait. Sinon, elle est ennuyeuse, la vie, pour vous ? La vie quotidienne, je pense qu'elle m'ennuie, oui. Je pense que c'est quand même un échappatoire à toute la vie quotidienne. Mais c'est pas un métier que vous pourrez faire toute votre vie, ça, j'imagine, si. Non, c'est comme golfeur, on peut le faire jusqu'à 70 ans ou... Non, pas du tout, non. Non. D'abord, c'est très mauvais, je vous l'expliquais, c'est très mauvais physiquement, je pense pas que ce soit très bon. On peut le faire, oui, non, pas toute ma vie, mais je pense pas que je le ferai toute ma vie. Vous trouverez quelque chose d'aussi fort pour remplacer une sensation pareille? Ben, je pense que la seule chose qui pourra m'arrêter, c'est avoir des enfants. Et là, je vais peut-être paraître très sage et... Tout d'un coup, bon, ouais. Ah bon. Bien. Je pense que le jour où j'ai des enfants qui m'attendent à la maison, je ne sais pas si je serai encore prêt à me jeter d'une antenne qui, de 100 mètres. Et qu'est-ce que vous pourrez faire d'autre qui soit aussi intense et qui vous apporte autant de plaisir? Peut-être que mes enfants m'apporteront autant de plaisir. On va savoir. Et Pierre-Yves Godilla, après cette belle parole d'amour. Où est-il, monsieur Godilla? C'est beau, jeune homme. Bonjour, vous êtes aussi un adepte de sensations fortes. Vous voulez ajouter vous avez différents titres de champion du monde, plusieurs, 5, 6. J'ai 5 titres de recordman du monde en fait d'acrobatie dans une discipline un peu particulière, c'est le quad. Ouais. Donc c'est des motos à 4 roues déjà. Grosses motos à 4 roues là, ouais. Ouais. Qui sont nées il y a quelques années, qui sont. Oui, ça fait 15 ans gros que ça existe. Alors vous battez quel type de record? Des records de vitesse sur 2 roues, en arrière, sur le côté? Enfin, je veux dire, des trucs qui sont assez dangereux aussi pour. Moi, je crois que j'ai avant tout toujours voulu ouvrir des voies et ce qui me plaît, c'est d'être différent et de me procurer des sensations, surtout avec des objets mécaniques. Et puis de maîtriser le geste jusqu'à faire des performances qui ne sont pas du tout du commun des mortels. Ouais, des sensations risquées, encore une fois. La peur est votre moteur aussi? La peur vous excite? On l'a bien expliqué tout à l'heure, il y a juste avant de commettre l'acte, et puis après, il y a des sensations intransmissibles qui sont vécues au moment le plus fort. Ça, c'est tellement personnel qu'on ne peut presque pas l'expliquer. Mais je crois que la préparation et puis la satisfaction après, c'est énorme. Et vous savez d'où ça vient? Pourquoi vous avez franchi le pas et pas les autres, par exemple? Sincèrement, aucune idée. Peut-être le besoin d'être différent, je ne sais pas. Ouais, je pense que c'est un besoin d'être différent aussi. De pratiquer des disciplines tout à fait différentes, qui soient peu accessibles. Et là aussi, on peut devenir dépendant à ce désir d'être différent des autres. Ah oui, c'est une dépendance. Il ne se passe pas une année depuis 10 ans où je n'ai pas une idée folle de faire un record du monde qui ne sert à rien qu'à satisfaire un besoin fou d'aller plus loin. Vous savez tous les deux que, pardon. Nous sommes les conquérants de l'inutile. C'est joli. Isabelle Dreuil, votre métier est aussi votre passion. Alors, c'est un autre domaine que Pierre-Yves et Cédric. Vous êtes consultante indépendante. Vous êtes workaholic, comme on dit, c'est-à-dire vraiment indépendante, accro au boulot. Ça fait 8 ans maintenant que vous êtes mis à votre compte. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous courez toujours après le travail? Comment vous êtes fait embrigader dans ce système? Ce n'est pas un embrigadement. C'est
C'est une démarche volontaire et partagée d'ailleurs, très organisée, structurée. Une chose qui me relie à tous les autres témoignages, c'est la passion et la recherche d'émotions permanentes. Oui. Et vous avez vu que certains en souffrent énormément, d'autres en souffrent moins. Vous vous situez comment par rapport aux autres? Ça n'est pas du tout de la souffrance. C'est du plaisir? C'est du plaisir renouvelé de jour en jour, chaque fois différent, des personnes différentes, des expériences différentes tous les jours. Ça, on ne peut pas s'en passer quand on y est. Pas de souffrance autour de vous? Là, je pense à votre compagnon, à vos enfants, à vos deux enfants. De l'adaptation permanente. Deux enfants, effectivement, qui vivent avec ce rythme depuis toujours, quasiment, et qui, évidemment, souhaiteraient plus de vacances avec leur maman, mais savent qu'il faut aussi les mériter, donc ils m'aident énormément pour me dégager du temps avec eux. Ils vous aident à bosser? Ils m'aident à faire des tas de choses. Ils relèvent mes messages, ils s'occupent des fax. Ils font un certain nombre de choses, 9 et 12 ans. D'accord. Ils font à manger, ils s'occupent de la maison. Vous travaillez 80 heures par semaine, sur combien de jours à peu près, entre 60 et 80? Ce sont les pics, la moyenne c'est 60 heures. 60 heures sur combien de jours? Avec certaines semaines moins chargées, et justement une alternance de journées plus légères par rapport à des journées beaucoup plus très, lourdes, très lourdes, qui font qu'il y a les clignotants qui s'allument, les clignotants du surmenage, et que... Vous la sentez arriver comment? Oui, une bonne nuit réparatrice permet de repartir sur le chapeau de roue parce que j'aime ce que je fais, et puis que je le partage, hein, c'est... Tout est là. Avec qui? Avec tous les miens, toute ma famille. Il y a beaucoup d'amour autour de tout ça. Sinon, ça ne tiendra pas. Votre mari travaille autant que vous? Différemment. La journée est une série de choses organisées pour que tout se passe bien pour tout le monde. Et ma famille passe en priorité, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire que je préfère passer avec eux 2 à 3 heures le soir et me remettre à travailler la nuit pendant qu'ils dorment pour compenser les heures de travail qu'il me manque pour boucler un dossier le lendemain matin, par exemple. Mais je passe ce temps avec eux, les devoirs des enfants sont toujours vérifiés, je les fais manger, je les couche. Vous êtes organisé, hein? Oui, sauf quand je suis en déplacement. Ouais. Oui. Là, vous ne pouvez pas vous occuper d'eux, moins en tout cas. Oui, donc il y a de la délégation où ils prennent un certain nombre de choses en charge. Ouais. C'est-à-dire que vous utilisez même le langage de l'entreprise et du travail, même dans votre vie quotidienne. La vie de famille est une petite domestique. Entreprise. Chacun a son rôle, ses fonctions, elle tourne. Il y a beaucoup de motivation, beaucoup de stimulation et... de la reconnaissance, du partage, de... Et pour vos enfants, travail égale plaisir? Enfin, il y a une confusion qui se fait entre les deux? Non, parce que les choses sont claires. Ils savent qu'ils ont une mission, eux, à remplir, qui est celle de l'école, de bonnes notes pour eux et pour le plaisir de tous. Et on sait qu'on mérite ses vacances quand on a bien réussi. Ça va faire des tueurs à gages sur le marché du travail, non, pas, ça? Non, pas. Je ne pense pas qu'ils soient déséquilibrés. Non, mais je veux vous en parler des excessifs, des... Non, je veux leur apprendre à piloter leur vie eux-mêmes, c'est-à-dire à se donner le luxe d'un choix, à ne pas subir la vie, mais à apporter un certain nombre de choses. Vous n'avez pas l'impression parfois de la subir, que ce serait agréable de la laisser filer un peu? Alors, ça, c'est réservé au peu de vacances qu'on prend. À ce moment-là, on laisse filer, mais je mets du temps à m'en remettre. Ah bon, c'est-à-dire? J'ai du mal à déconnecter complètement. Ah ouais. C'est pour ça que le rythme est toujours maintenu. Et puis, on ne peut pas se détacher de l'actualité. Quand on vit avec l'actualité, il est difficile de s'en détacher complètement. Vous prenez combien de semaines de vacances par an? Une à deux semaines. Une à deux semaines? Oui. Si vous mettez une semaine pour décrocher, alors c'est... Il y a 3-4 jours prenez très difficiles au début, 3-4. Et puis ça vous laisse 3 jours royaux de vacances. Je recommence. Ouais. Non, si certaines personnes pensent que vivre, c'est être, ou que vivre, c'est avoir, vous pensez que vivre, c'est faire? C'est être pour pouvoir bien faire et bien partager. Vous étiez une bonne écolière aussi, très disciplinée? Oui, je pense. Oui, je pense aussi, si je peux me permettre. Je demandais à Charline Delporte de venir nous rejoindre. Madame Delporte, s'il vous plaît, sous les applaudissements du 102. Présidente de l'ADFI Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Bonsoir madame, bienvenue. Merci, bien côté de monsieur Palomino. Et madame, vous êtes présidente d'une association de défense des familles et individus contre les sectes. On va parler donc des liens entre la dépendance à différentes choses, l'argent, le sexe, le travail, le jeu. Et également au ressort de dépendance sur lesquels s'appuient les animateurs des sectes pour embrigader des personnes, dont votre fille, qui a elle-même passé une dizaine d'années dans une secte. Et c'est pour cette raison que vous avez abandonné votre travail de fromagère, madame. Quel dommage pour nos assiettes, pour vous appliquer à fond dans cette association. Quel parallèle vous faites, vous, qui avez beaucoup réfléchi à la question, entre la dépendance des adeptes d'une secte et la dépendance que certains de nos invités ont évoquée ce soir? Peut-être l'idée qu'ils ne réalisent pas leur dépendance?
Non, non, mais ce que je trouve très courageux, c'est monsieur. Et ça se rapproche très fortement, justement, à la personne vulnérable, mais d'une dépendance qui souffre. Cyril. D'autres ne souffrent pas, ils sont heureux, il y a du plaisir, donc là, il n'y a pas de souffrance. Tandis que dans les sectes, eh bien, j'ai senti le témoignage de monsieur se rapprochant beaucoup dans le domaine des sectes. Alors la dépendance, c'est souvent se laisser habiter par un plaisir, puis ensuite se laisser dépasser par le plaisir. Vous avez noté trois phases différentes et successives d'embrigadement dans une secte. Quelles sont-elles ? Alors, d'abord, dans les sectes, on est séduit. On est séduit par un beau message. On a vraiment envie de... On a trouvé des réponses à des questions. On a envie de donner un sens à sa vie. Et à ce moment-là, il y a une conférence, il y a une copine qui dit « Ben, viens avec moi, tu vas voir, j'ai trouvé quelque chose de génial. » Donc, on entre en secte. On n'entre pas en secte, on entre dans un groupe super chouette qui fait justement à ce moment-là appel à quelque chose qui nous intéresse. Et c'est comme ça qu'on entre donc dans une organisation sectaire. Ça, c'est la première phase. Mais ça, c'est la première phase. La deuxième phase est la phase de conditionnement. Alors, naturellement, la secte ne va pas vous attraper, on n'attrape pas les mouches au vinaigre, ouais. On va les attraper plutôt au miel. Donc, on va vous présenter un prêt-à-porter, mais vous, vous n'allez pas le voir, ce prêt-à-penser, je dirais. Ouais. Et là, on va vous donner des conseils. On ne vous donne jamais de directives dans les sectes. On va vous donner des conseils, ouais. Et c'est toujours sur le biais de l'affectif. C'est-à-dire qu'on va vous trouver des qualités, même que vous ne sénez pas vous-même. On va vous dire que vous êtes quelqu'un de génial, inclassable. Et on aime bien être reconnu. Hein? Ça, je pense que tout être aime bien être reconnu. Ce qui fait qu'on va tout doucettement perdre son esprit critique, son libre arbitre, et on va tout simplement remplacer son projet du départ, parce qu'au départ, on avait un projet... D'épanouissement personnel de faire quelque chose de bien dans sa vie. C'est génial, je trouve ça formidable, les gens sont sympas, le groupe est sympa. Là, on devient dépendant dans cette deuxième phase, surtout également au groupe. Et si on se pose encore des questions à ce moment-là, puisqu'on perd un peu ce libre arbitre et cet esprit critique, eh bien, le groupe va être là pour dire « Non, 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 je suis sûre que c'est toi qui as mal compris le leader de la secte. Il faudrait que tu persévères. Donc, demain, eh bien, bah, demain je vais l'écouter davantage. » Donc, vous voyez, vous n'avez plus du tout d'esprit de libre arbitre. Et de libre arbitre. Mmh. Et la troisième phase est la phase de reprogrammation donc, pour la secte en question, puisque des sectes, il y en a beaucoup, avec toujours des masques différents, culturels, humanitaires, religieux. Bien sûr, ils ont tous un masque religieux. Il y a toujours une question d'argent et de sexe qui intervient à un moment ou à un toujours, autre. Toujours, hein. Toujours. Le gourou, la gourelle, enfin, ça se dit la pas. La gourelle ? Oh oui, moi, je dis gourelle. Ah, vous dites la gourelle, ouais. J'ai inventé un moi, je dis la gourmette, moi. La gourelle, vous dites. Ou le leader ou la leader, ouais. Eh bien, est toujours quelqu'un de très intelligent, qui a du charisme, qui a du pouvoir, qui est également détraqué sexuel et également parano. Donc, vous voyez, ça, c'est les ingrédients d'un bon gourou. Ce sont les cinq qualités, enfin, si je puis dire. Oui, généralement, on les retrouve très souvent. Ouais. Et dans cette troisième phase, eh bien, la personne est complètement, complètement dépendante. Et elle absorbe, comme un médicament, tout ce que la secte lui dit de faire. Et c'est comme ça que vous avez peut-être pu voir, malheureusement, dans la presse, des personnes qui... C'est les meilleurs agents secrets de la secte. Ils vont faire n'importe quoi pour leur secte ou leur société. Et à ce moment-là, eh bien, vous devenez... Et c'est comme ça que les sectes arrivent aussi à avoir de la main-d'œuvre à bon marché, puisqu'elle a réussi à vous faire perdre votre liberté, votre dignité d'individu, et également, naturellement, en passant, votre argent. Ouais. Et vous devenez complètement dépendant. Un agent de cette société secrète. Alors, je le dis très vite, parce que je pense que... Alors, ça ne se fait pas en deux jours, naturellement. Il faudra du temps pour cet endoctrinement, il faudra du temps pour le conditionnement et pour la reprogrammation. Mais la secte, une fois qu'elle vous a piégé, eh bien, elle va vraiment tenir sa proie, comme je dis. Et votre fille a passé des années dans une secte, oui. Avec un ou deux allers-retours. Oui, oui. Alors, bien sûr, il y a les rechutes, ouais. Comme là, dans toute ouais. dépendance, il y a des rechutes. Et c'est vrai que notre fille a été adepte d'une secte pendant presque 10 ans. Elle a rechuté une fois. Et là, elle en est sortie il y a un an. Mais vous êtes vigilante encore, vous avez... Mais bien sûr, ouais. Mais bien sûr, parce que je sais pertinemment que pour elle, ce n'est pas facile et que c'est très courageux ce qu'elle fait, parce qu'elle fait comme monsieur, elle rencontre d'autres personnes. Elle affronte le monde extérieur, voilà. Duquel elle était protégée. Non plus, ouais, c'est ça. Parce que vous savez, quand on sort d'une secte, on se dit, j'ai peut-être perdu quelque chose d'essentiel à ma vie. Et s'ils avaient raison dans la secte, parce que dans les sectes, tout est basé sur la peur et la crainte de la fin de quelque chose, ce qui fait que la sortie de secte n'est pas facile à vivre. Et on a cette période de désintoxication qui n'est pas évidente. Mmh.
Et c'est sûr que... C'est, Cyril, c'est assez proche de ce que vous avez dépeint tout à l'heure. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, c'est assez saisissant, hein. Monsieur Palomino. Ça, c'est docteur. Exactement le... Il y a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de différences au niveau émotionnel entre les dépendances. Je parle de gens, moi, pour moi, dépendance, c'est... C'est pas un plaisir. Donc, pour moi, quand j'entends émotionnellement un alcoolique, un toxicomane ou un joueur ou un dépendant sexuel ou affectif, le ressenti pour moi émotionnel est le même. Peu importe l'histoire, quoi. Je veux dire, je le comprends et je l'entends, quoi. Mmh. La souffrance, du moins. Cette lune de miel que vous évoquiez peut être commune entre les dépendances à un comportement, à un produit ou à une association, à un groupe d'appartenance. Mmh. Il y a une période où, dans le groupe ou dans le produit ou dans le comportement, on se sent plus grand, on se sent exister, on se sent reconnu par les autres. C'est très chaleureux, c'est, ah, c'est très agréable. Oui, c'est proche des sensations qu'on peut ressentir dans toutes, voilà, les circonstances qui ont été évoquées ce soir. La manipulation mentale. Se sentir, ouais, reconnu, exister, et puis peut-être que le groupe, le produit ou le comportement compense un manque qu'on avait à un autre niveau. Et puis, le temps passe et on devient enchaîné. Mais malheureusement, on peut très bien devenir enchaîné tout en étant aveugle à son enchaînement. C'est très proche de ce que vous disiez tout à l'heure à propos de... C'est terrible pour les familles dans le cas des sectes, c'est terrible pour les familles dans le cas d'une dépendance à l'alcool ou une autre dans laquelle on est aveuglé à sa dépendance ou on revendique qu'on est libre. Et comment voulez-vous aider quelqu'un à se libérer quand celui-ci vous affirme qu'il est libre ? Tout à fait. C'est extrêmement troublant. Tout le monde se sent dans... Vous disiez que c'était un des stigmates qui permettait de reconnaître une dépendance, c'est quand on se dit qu'on est maître de sa dépendance et qu'en fait on en est l'esclave sans s'en apercevoir. Absolument, c'est un des risques, ah oui, c'est qu'une fois que la dépendance s'est structurée, ça dépend des dépendances. Il y a des dépendances où on n'est pas longtemps aveugle, mais il y a des dépendances où on peut rester malheureusement éternellement aveugle, c'est-à-dire mourir dans sa dépendance sans avoir ouvert les yeux. Donc là, il faut écouter ses proches et pas se dire que c'est eux qui voient pas clair. Il faut être attentif à ce que disent les autres, car les autres sont souvent moins aveuglés que soi-même par rapport à une dépendance. Merci à tous les deux, à tous nos invités. La conclusion de cette émission avec Michel Fitoussi du magazine Elle, s'il vous plaît. Michel. Vous êtes quelque chose ? Oui, Michel. Oui, Michel. J'ai entendu trois mots vraiment qui m'ont parlé dans cette émission. J'ai entendu le mot souffrance d'abord dans des cas difficiles comme celui de Cyril ou comme les sectes. Bon, ça c'est une vraie dépendance et c'est très difficile d'en parler. J'ai entendu le mot manque beaucoup, vide, des gens qui sont en manque. Et puis j'ai beaucoup entendu le mot ennui, ennui presque au sens pascalien du terme, quoi, de l'homme qui cherche à tout prix le divertissement pour se sortir du quotidien, pour se sortir de soi-même. Et je me disais en entendant tous ces témoignages qui sont très différents, combien il pouvait être difficile, compliqué d'être un homme ou une femme, quelle béquille il fallait chercher dans la vie pour pouvoir y arriver, pour pouvoir marcher droit, quoi. Et parfois, la frontière est tellement tenue entre la passion et la souffrance, entre le plaisir et la dépendance. C'est assez difficile. Heureusement, et ça aussi, c'était le mot commun, qu'il existe des psys, et qu'heureusement que souvent, ceux-là peuvent être de bonnes béquilles. Il existe aussi la parole dans famille, avec les amis, avec les relations, pas seulement avec les professionnels. Mais si on a un doute, on peut en parler à son médecin. Si on a un doute, on peut essayer de se dispenser du produit, pas réduire, pas diminuer, se dispenser pendant un laps de temps. On sera mieux informé sur son manque et donc sur son lien de dépendance. Et enfin, je vais éteindre mon portable, c'est clair, mon ordinateur. C'est le portable, ouais, d'accord. Voilà, c'était l'émission donc sur les dépendances. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle édition de cette discute, de quoi on parlera. Comment vit-on dans la clandestinité mercredi prochain. Merci d'avoir été avec nous. Bonne nuit, le dernier journal à suivre et des mots de minuit avec Philippe Lefebvre. Merci, bonsoir.